Bonjour et bienvenue sur le journal du hardware, votre émission sur la tech de référence sur le stream. Je suis en cette Saint-Valentin-tech. Oh. Excusez-moi, je suis auteur aussi à mes heures perdues. En cette Saint-Valentin-tech, donc, je suis entouré des meilleurs, moins un, qui est en vacances. Il a de la chance, notre ami JK. Je commence par la droite. Comment vas-tu, mon chrono ? Eh bien, écoute, ça va à merveille. Oui, je vois que ça s'est plutôt bien passé, la Saint-Valentin, pour toi. Bah écoute, c'est une charmante demoiselle que je ne connaissais pas. Ouais, qui t'a dit ça devant chez Webedia. Non, il a looté, parce qu'on loote toujours le stuff de Mélinda. Même les bouquets, c'est triste. Donc Mélinda, elle est direct chargée, tu vois, dans la rame avec un bouquet de fleurs et tout. Je veux dire, incroyable. Wow. Bon, ça va sinon ? Ça va super. Ouais. Et toi ? Bah écoute, moi, je t'ai mis exprès à côté de ce qu'il faut. Normalement, t'es quand même en très bonne compagnie. Je suis en bonne compagnie, je. Ouais, si je peux me permettre, hein, au sens entreprise. Hein. N'est-ce pas ? On dira pas les noms. Non. À ma gauche, Mélinda, comment vas-tu ? Ça va très bien. Le Unpacked, c'était bien ? C'était bien. On s'en remet doucement. Je sais pas, oui, on voit sur le plateau. Ouais, vous voyez qu'il y a, il y a du matos. De quoi ? Il y a un peu de monde ? Regarde, ouais, il y a un peu de matos. Je suis parvenue toute seule de San Francisco, ouais. Voilà, alors évidemment, vous voyez que le bordel qui est en train d'envoyer un reflet qui aveugle les trois quarts des gens. C'est clair, c'est classe, hein ? Le Z Flip dont on va parler dans ce JDH. On en parlera plutôt en fin d'émission avec les tests. On va en parler un peu. Et puis ça va, oui. Alors oui, parce que effectivement, on va faire aussi le talk de la semaine. C'est autour de tout ce qui est smartphone pliant, pliable. Les deux se disent. Moi, je pense. On dit. Alors tu feins, tu dis un smartphone pliant à écran pliable. Voilà, c'est ça. Ah d'accord. Voilà. Le contenu, le contenant. Ben voilà. Voilà. Donc le talk de cette semaine, ça sera sur les smartphones pliants à écran pliable. Et bien sûr, je termine avec le meilleur, Pépé. Non, c'est pas comment le meilleur. Je suis en pleine forme. Je suis comme Mélinda, on travaille un peu beaucoup en ce moment, sauf qu'elle a le décalage horaire en plus. Et ouais. Moi, je l'ai pas, mais je dois être dans le même état en fin de compte. C'est vrai. Mais j'ai atterri il y a une heure exactement. Ah, bah oui, mais toi, t'étais. À Malte, justement, pour un congrès Samsung. J'aurais des trucs à rajouter par-dessus parce que j'avais aussi des trucs sur place. Pas Samsung, les mecs, ils Non, mais attends, j'en parlais avec eux, je dis, mais vous vous rendez compte qu'actuellement, vous avez des congrès partout, des présentations partout. Bah ouais. Je sais que Mélinda était à San Francisco, j'étais à Malte. Ils n'arrêtent pas parce qu'ils balancent toutes les gammes 2020, quoi. Ouais, donc ouais, ça rigole. Les barres de son et tout, j'ai tout vu, ça y est. Alors justement, on va commencer tout de suite en fait avec la rubrique news. J'allais faire en fait une transition de qualité journalistique, n'est-ce pas ? Mais je la ferai après, puisque dans cette rubrique news, on va commencer par Pépé. Oui. Parce que Pépé, nous, le JDH, le journal du hardware, en cette Saint-Valentin-tech, on aime bien quand même tenir nos engagements. Et bah sur l'émission qu'on a consacrée à l'audiophilie... Ouais, qui avait bien marché, les gens avaient des tas de commentaires. Très bien marché. Ça, mimi. On avait évoqué la possibilité de voir une vidéo que tu avais tournée dans un des magasins d'audiophile. Que Mélinda connaît, Yodobashi. Voilà, Yodobashi, donc à Tokyo. Et on n'avait pas eu l'occasion de passer cette vidéo la semaine dernière, mais maintenant, on l'a, cette occasion. Voilà, alors, on va pouvoir commenter parce qu'on a parlé de beaucoup de trucs ensemble. Ouais. Ici, sur le plateau, on a parlé de produits. Bah, voilà, Mélinda le connaît. Ah bah, c'est le Akiba. Alors, c'est le monstrueux. C'est l'équivalent des Galeries Lafayette, mais pour la high-tech. Et il y en a partout à Tokyo. C'est le plus grand. Enfin, pas à Tokyo. Il y en a deux à Tokyo ou plusieurs. Il y en a également à Kyoto. Alors, je vais vous montrer des magasins pour qu'on se rende compte un peu de l'ampleur de ce qu'on disait dans cette émission concernant l'audio. L'importance de l'audio qu'on peut donc trouver dans les magasins japonais, au Japon. Ouais. Il y en a partout. Vous allez voir le rayon baladeur et DAC, c'est assez impressionnant. C'est déjà produits... le rayon casque, là, il est quand même bien. Alors là, c'est les DAC. Vous voyez, il y a le gros casque qui doit coûter 2000 euros. Il y a à côté le baladeur Onkyo qui est juste à côté. Il y a du MQA. Vous voyez le logo MQ dont on parlait la dernière fois. Ça, c'est les autres baladeurs. Encore Onkyo, la Hi-Res, les prix, ils s'en foutent complètement. Il y en a partout. C'est des baladeurs et des casques, des baladeurs et des casques, des DAC. Il y a en même temps des amplis pour faire des écoutes. On peut venir avec n'importe quel casque et le plugger. Tous les DAC pour les smartphones, ils sont là. C'est pas pour un smartphone, ça. Si. Vous les accrochez, vous mettez dans le dos, dans le sac à dos. Vous avez le fil qui va. Regardez, vous avez les fils qui vont avec. On dirait les amplis qu'on met dans les voitures. Oui, en même temps, ça c'est le. Dans le gros câble tressé là. Ouais. C'est un des. Wow. Tu peux le relier. Regardez les rayons. Wow. T'es à Tokyo et c'est là que tu vois la différence de l'importance que peut revêtir
dire le son par rapport à ce qu'on peut trouver ici, c'est que c'est la corne d'abondance et toutes les marques. Il y a zéro wireless, hein, par contre là. Si si, il y en a, il y a du wireless partout, il y a des petits corners. Il y a du câble en veux-tu en voilà. Ils adorent ça, ils rajoutent des câbles tressés à leur matériel, ils font ça. Sennheiser propose justement des kits. Le HD25, il propose en kit, tu peux changer les câbles, la couleur, les oreillettes, tu peux tout faire. C'est raison, le rayon audiophile avec les casques, ils sont entre 2000 et 6000 euros. Donc ici, tu peux t'asseoir, tu vas voir un truc de folie. Enfin, vous allez voir un truc de folie. Tu as des petites booths, des petites loges où tu voilà, le monsieur est là. Tu prends n'importe quel casque, tu le mets, tu t'assois et tu peux l'écouter sur des matériels hors c'est-à-dire de prix. Même les modèles à 2000 balles là, ouais. Ils sont en là, accès libre. Là, tu vois, ça te dit voilà, là c'est ces petites booths. Alors, il te mâche le matériel, tu peux venir avec tes CD, avec tout ce que tu veux et tu peux écouter tous les casques devant comme tu veux à volonté. Et il part du principe que si le mec l'a essayé, il va partir avec. Parce qu'il a pu partir avec, non, il va pouvoir partir avec un casque parce qu'il en a essayé plusieurs et donc il est tout content. Voilà, ah ouais, vous avez un petit peu gigantesque. Et donc du coup, ça c'est un concept qui est cool, quoi. C'est que c'est à dire que tu peux vraiment tout essayer. Donc du coup, tu ne te fies pas qu'au test. 2500 euros le baladeur là. Oui, c'est ça. Mais t'imagines que là, ce que montre Pépé, c'est un seul étage. Je crois qu'il y a 7 étages. Il y a 7 étages. 7 étages là-bas. Que de trucs comme ça. C'est du délire. Ouais, donc c'est vraiment une culture. C'est totalement différent. Ouais. Et c'est pour ça, quand tu vois là, tu as des baladeurs partout, des casques partout, ils s'en foutent, ça se vend parce que ça marche très très bien en Asie. Je voulais vous montrer parce que c'est important. Mais c'est fou parce que en fait, à Paris, je me dis déjà concrètement, on n'a pas beaucoup d'équivalents parce que chez nous, les magasins de hi-fi, c'est plutôt petit. Ouais. Et la seule méga surface qui était consacrée à la tech à un moment donné, c'était Surcouf. Ils vendaient, mais c'était plus orienté PC quand même. Mais c'est vrai que ça a fermé. Depuis, on n'a pas de. On a pas a, de j'ai pas à part la FNAC, même ailleurs. Souvideo.com vend des baladeurs dans les magasins. Ils ont 12 ou 13 magasins en France, ils en vendent. J'en ai vu chez Boulanger aussi. Ah, chez Boulanger. J'en ai vu chez Boulanger. Ah, ça s'appelle Boulanger. Enfin voilà, donc c'était pour montrer un petit peu cette vidéo parce qu'effectivement, l'émission avait eu un succès. Il y avait beaucoup de questions. Je voulais montrer aux gens que voilà, on n'était pas en train de parler dans le vide, que c'est vraiment de la réalité. C'est vraiment clairement pas la même culture. Hein. Franchement, là, pour le coup, on est complètement à l'opposé. Alors du coup, ma transition journalistique, en fait, je repars sur ce que tu disais en présentation, à savoir que tu étais un peu décalqué par le décalage horaire. Et du coup, j'ai envie de te dire que l'univers te permet de te remettre tranquillement du décalage horaire, puisque le Mobile World Congress de Barcelone a pu. Voilà, c'était le grand événement du mois de février. Annulé. Donc, tous les gens qui en avaient marre que je leur parle encore plus de smartphones à la fin du mois de février vont être rassurés, il n'y aura pas de Mobile World Congress cette année. Mais pour quelle raison, je me demande. Eh bien, on se demande. Il paraît qu'il y a un petit virus qui sévit en Asie, qui touche quelques personnes, qui a touché deux personnes en Espagne, aux îles Canaries et je ne sais plus où, sur des îles autres. Pas du tout sur l'Espagne. C'était pas sur le continent. D'accord. Pas sur l'Espagne continentale, mais vente panique suffisant au Mobile World Congress pour que face à l'avalanche de forfaits et d'abandons en cascade, ils décident de se retirer. Parce qu'en fait, la raison n'est pas sanitaire. Il faut savoir quand même que les organisateurs ont lancé un mail à tous les gens comme nous qui devaient participer au Mobile World Congress lundi avec une série de mesures comme ça. Sanitaire sur ne. Donc il y aura des médecins. Ne serrez pas les mains. Ne serrez pas les mains. Voilà. Ouais. Enfin, vraiment des trucs. Ah non, mais c'était flippant. C'était flippant. C'est-à-dire, on vous disait, ne vous inquiétez pas, mais alors il y avait des mesures dans tous les sens. Ne vous inquiétez pas, mais il y aura toutes les raisons de vous inquiéter. La Croix-Rouge sera là et tout. Enfin, voilà. Il faut savoir, donc, à demi-mot, personne ne le dit, mais c'est parce qu'il y a les délégations chinoises qui viennent, des exposants chinois qui viennent, donc ils ont l'impression qu'ils vont amener le virus avec eux. Ouais. L'année dernière, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 110 000 personnes à peu près qui viennent entre les exposants et les visiteurs sur Mobile World Congress, qui est un salon privé, enfin professionnel, donc pas du tout ouvert au public. Ouais. Comme le CES. Voilà, comme le CES. C'était 16% de personnes de la zone Asie-Pacifique, large. Ouais. Les Chinois, c'est à peu près 5%. Ouais, d'accord. Des gens qui viennent, 5%, 64% d'Européens. Donc en fait, c'est ça, cette espèce de flip général vient de là, mais aussi du fait que les gens qui voyageaient, par exemple Sony japonais, avaient dit non, ils ne viendraient pas, ou LG qui est sud-coréen, parce qu'ils avaient peur des transferts dans les hubs en Asie. Exactement. Oui, mais en fait c'est ça, oui. C'est pour ça, mais sur place. Mais bon. Donc, après, il suffit de prendre des vols directs. Faut quand même, voilà. Faut quand même savoir que t'arrives dans un hub quelque part. T'arrives toujours dans un truc comme à Paris. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. C'est ta destination, donc c'est pas. Voilà. Mais en tout cas, la GSMA qui organise le salon a dit, on annule parce que tout le monde est en train de déclarer. Donc là, en termes de forfaits, on avait qui? On avait dans les gros, LG, Sony, Ericsson.
Il y avait Intel, Nvidia, Amazon, Facebook. Non, mais la liste, Vivo. Alors, Vivo, c'est le seul chinois un peu de premier plan qui avait déclaré forfait. Les autres, ils étaient toujours là. Enfin, Huawei est là. Huawei maintient sa conférence, qui est prévue dimanche pour présenter notamment le Mate X. J'ai réfléchi avec mon XS, le décalage. J'ai vu des noms. C'est le décalage horaire. On peut plus. Eux, ils maintiennent leur conférence. Donc, à cette heure-là, ils ont commencé à prévenir les gens, les journalistes qui avaient prévu d'y aller. La conférence est maintenue dimanche après-midi à Madrid, à Barcelone. Ah ouais. Là-bas, là où ils avaient prévu de la faire, elle est maintenue. Mais c'était en dehors. Il faut savoir qu'il y avait à peu près une dizaine, douzaine de conférences de fabricants qui étaient organisées en amont du salon samedi dimanche. Ouais. Il n'y en reste qu'une actuellement, c'est Huawei. Ils ont raison parce qu'ils ont du coup toute l'attention. Ils ont un boulevard pour eux. Mais voilà. Mais et puis ils ont les remplaces. Non mais envie de dire. Joli. Ils avaient surtout déjà envoyé tout leur staff. Tous leurs execs étaient là-bas pour l'histoire de la quarantaine. Souvenez-vous, on en parlait la semaine dernière, l'histoire de la quarantaine où il y avait 15 jours où il fallait rester. Ils avaient déjà expédié tout le monde là-bas. Donc, ils ne vont pas non plus revenir. Mais alors, moi, la question que j'ai, c'est... Combien ça a coûté ? Alors, ça, c'est une question... Il y a juste un truc qui me fait sourire, c'est que d'un point de vue de l'économie globale de Barcelone, il faut savoir que c'est quand même une grosse rentrée d'argent qui disparaît. 40% du chiffre d'affaires de la FIRA, qui est le parc des expositions locales, qui 40% de son chiffre d'affaires annuel, c'est le Mobile World Congress. L'estimation, c'est 490 millions de pertes. Pour la ville de Barcelone. C'est 14 000 emplois en moins. Les gens qui viennent pas, les emplois saisonniers. Pour les hôtels, notamment, je me rappelle le rédacteur en chef, créateur, fondateur de Humanoïd, Numérama, donc Android, Ulrich Rosier, qui disait sur son Twitter qu'il est en train de se battre au téléphone avec les hôtels pour essayer d'annuler en fait sa réservation parce que le média ne s'y rend pas. Et quand tout le monde fait ça, il suffit de faire un petit calcul rapide. Vous disiez qu'il y a je sais pas combien de monde qui y allait. Ce sont des gens qui viennent de partout et donc ce sont des gens qui vont payer des hôtels, qui vont payer à bouffer là-bas. Et donc là, tu peux imaginer parce qu'en fait, le problème, c'est que la GSMA va rembourser les exposants qui avaient maintenu leur présence et qui sont obligés de ne pas venir. Mais alors, moi, la question que j'avais sur ce truc, c'est annulé ou c'est potentiellement reporté ? Eux, ils disent qu'ils auraient bien aimé reporter. Mais sauf que va trouver une place dans le calendrier. Ah oui, parce que du coup... Déjà, la tech annuelle, va trouver une place à Barcelone. Oui, de toute façon... Entre les vacances, les machins et tout. Enfin, là, c'est une période un peu plus creuse, donc c'est plus occupé. Il faut savoir que les exposants, les marques, sont organisés depuis le mois de juin l'année dernière. Pour venir, c'est-à-dire que les chambres sont bookées, les billets d'avion sont bookés depuis le mois de juin. C'est un coût qui se chiffre pour les antennes en local en centaines de milliers d'euros pour des branches. Je ne parle même pas, par exemple, de marques à l'échelle globale. Donc là, il y a de la perte pour tout le monde. Mais est-ce que du coup, il n'y a pas d'intérêt pour... enfin, déjà, ce qui va se passer, c'est est-ce qu'on ne va pas se rendre compte que finalement, le MWC... c'est pas si grave de le louper, sous-entendu. Si chaque marque fait comme avec l'E3, ils font tous leur conférence en dehors. Ce que je pense vraiment, c'est que par exemple, quand on voit les grands qui sont retirés, les LG, les Sony, il y a une question qui se pose, c'est pourquoi ces gens-là ont eu peur ? Est-ce qu'ils avaient vraiment quelque chose d'intéressant à montrer ou pas ? C'est la question. Il faut savoir que par exemple, Samsung vient de faire son événement. Donc quand même plus malin. 15 jours avant l'événement, avant la présentation des galaxies, pendant le Mobile World Congress. Aujourd'hui, ils le font en dehors. Donc, et ils avaient prévu d'être présents. Ils ont une présence parce que tout le monde n'était pas à San Francisco, il faut quand même montrer les produits. Donc pour moi, il va y avoir une espèce de course à deux vitesses, c'est-à-dire que les gros peuvent se passer du Mobile World Congress. Quoi qu'on en dise, eux peuvent. Par contre, toutes les petites boîtes qui venaient faire du réseautage, qui venaient rencontrer des clients potentiels, qui venaient montrer, pour elles, c'est fatal. Ouais. Je ne parle même pas du coût, là, qui est de perte, parce que comme on dit, voilà, il y a les médias qui avaient décidé de s'y rendre, qui perdent de l'argent, mais il y a aussi toutes les petites boîtes qui mettent un peu de fric là-dessus pour y aller, parce que c'est plus près, par exemple, que Las Vegas. Ouais. Ben, on va peut-être leur rembourser le prix du stand. Le stand, c'est 1000 euros du mètre carré, à peu près, pour savoir. Donc, un mètre carré, tu mets ton téléphone. Plus droit d'entrée. Hein. Les droits d'entrée, après, c'est entre 800 et 2500 euros à peu près. Donc, c'est quand même un petit pactole. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Les toutes petites boîtes, moi, j'en connais plein, des petites start-up françaises qui venaient montrer des trucs. Ça va faire mal. Ça, ils vont récupérer l'argent là-dessus.
mais l'hôtel, les appartements, location, tout ça, les frais engagés ne seront pas remboursés. Alors là, et les compagnies aériennes refusent de rembourser certains billets parce que ce n'est pas parce qu'on annule un truc à l'arrivée. C'est pas la faute des compagnies. C'est tout à fait normal. Ils peuvent tous se payer un week-end à Barcelone tranquille s'ils veulent. Mais les marques ont maintenu certains billets d'avion, même pour la presse. En disant, de toute façon, le billet d'avion, on ne peut pas l'annuler. Si vous voulez monter dans un avion quand même pour passer deux jours à Barcelone, c'est. C'est vrai que c'est assez fatal et ça interroge vraiment sur le devenir du Mobile World Congress, parce que c'est quand même le seul salon qui est annulé. Moi, j'ai appelé les gens du salon de l'agriculture qui va se tenir là. Je leur ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui ont annulé leur présence ? Il y a des produits qui viennent d'Asie ou des animaux qui viennent d'Asie ? Il y a des produits qui viennent, qui viennent de Chine et tout. Il dit, personne n'a annulé. parce qu'en fait, il n'y a aucune... folie, frénésie comme il y a eu. C'est le seul salon qui a été annulé. Et excusez-moi, je ne suis pas complotiste. Attends. Il y a quelque chose qui se trame là-dessous. Mais il y a des salons à Genève. Le salon d'automobile à Genève est maintenu. Le salon d'Amsterdam, qui est sur l'audiovisuel, qui se tient en même temps, et voilà, est maintenu. J'ai mon idée. Je pense que ce qui a effrayé peut-être les gens, c'est que le salon du mobile, dont le smartphone, est associé à l'Asie. De plus en plus, alors qu'il y a un Mobile World Congress. Public, smartphone égale Asie. Tandis que le salon de l'agriculture n'égale pas Asie. Voilà. Il y a eu aussi un petit problème à l'ISE, le salon des intégrateurs, où c'était un petit peu touchy, parce qu'il y a beaucoup de marques asiatiques qui devaient venir. Ouais. Le problème a été touchy. Ils sont demandés pour l'ISE qui a lieu actuellement. Est-ce que ça allait annuler ? Ils ne l'ont pas fait. Le Computex à Taïwan, ça va sauter, c'est obligé. Non, parce que selon longtemps, ce sera, comme a dit Trump, au mois d'avril, ce sera réglé. Mais l'ISE. À cause de la chaleur, c'est ça ? À cause de la chaleur. A été bousillé comme ça. Il a sorti une évidence. La température a fait mourir le virus, le truc du virus de SRAS. Mais par contre, pour l'ISE d'Amsterdam, s'est posé. Parce qu'il y a des marques qui ont décliné Barcelone qui sont à l'ISE. Voilà. Ouais. Voilà. On ne les citera pas pour ne pas les balancer. Exactement. Il y a quand même un truc qui se trame. Il y a un Mobile World Congress. Il faut savoir que la marque Mobile World Congress, c'est un truc qui est devenu international. Il y en a à Shanghai autour des marques, surtout des entreprises chinoises. Ouais, bien sûr. Il n'y aura pas lieu de l'annuler. C'est vraiment Barcelone là, qui s'est pris, qui a surréagi. Tout à l'heure, un grand homme a dit, je parle de Daz. Ah, merci. Ce qui fait peur. C'était quoi la phrase déjà exacte? On a peur de ce que l'on ne connaît pas. Pas. Mais c'est exactement ça. Je vais faire ma pub. Vous pouvez aller sur lci.fr voir. On a fait tout un dossier sur le Mobile World Congress et là-dessus justement sur ce côté. Je le dis. Hein, je suis pas complotiste, mais j'ai quand même l'impression que. Il y a un truc qui se passe en... Je pense qu'il y a une vraie peur, mais tu sais, comme on en parlait, toute l'Asie est au ralenti actuellement, toute la Chine est au ralenti, les entreprises, à cause de ça, donc voilà. Et puis surtout, ce que tout le monde dit, que je vais répéter, c'est qu'en fait, actuellement, le coronavirus, c'est quand même bien moins dangereux que la grippe, d'un point de vue concret. Bah évidemment, c'est pour ça que c'est ridicule d'annuler un salon pour un truc qui fait moins de morts que la grippe. Je fais l'avocat du diable, parce que je vous entends tous parler, moi j'ai un autre point de vue, je me mets à la place de gens qui sont dans les organisateurs, que je ne connais pas, tu as cité tout à l'heure, qui organisent ce salon, et tu as une ville, tu as Barcelone, tu as un pays, qui est l'Espagne, on va recevoir en effet 5%, tu as dit, ou de... C'est 5% à peu près. De Chinois et de la zone Asie, tu dois... C'est 16%. Ouais. 16% de l'Asie. Imagine qu'il y ait réellement eu un problème. Non, c'est vrai. Est-ce que tu peux, toi, endosser la responsabilité d'avoir en port d'entrée virus la ville de Barcelone avec la population qui peut devenir dingue? Moi, je suis pour le principe de précaution. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut un principe de précaution. Bah, d'accord, mais on annule tous les salons, en fait. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais que la ville de Barcelone s'est désolée. Solidariser des organisateurs. Ah oui, ils disent, nous, on n'a pas de problème. J'étais très surpris. Il n'y a que deux cas dans les îles. Il n'y a que deux cas dans les îles. Donc, ils ont dit, il n'y a pas. En fait, le problème que va avoir la GSMA, l'organisateur, pour se faire rembourser, c'est qu'il n'y a pas d'urgence sanitaire. Ils ont annulé ça. Donc, pour les assurances. Trop de précautions, peut-être. Est-ce qu'on peut y avoir trop de précautions pour un truc pareil ? Moi, je suis pas un trouillard, encore une fois. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'ils auraient pu laisser les gens. Désolé, tu ne peux pas prendre le moindre risque de faire rentrer quelque chose sur un pays qui n'est justement pas, malheureusement, tristement infecté. Et tu dis, on va faire venir tout le monde. Allez hop, on y va, open bar. Et s'il se passe un truc, tu vas avoir la responsabilité de ça sur le dos. Mais c'est quand même terrible. En faisant ça, tu rajoutes aussi justement à la peur, à la psychose. Mais je suis d'accord là-dessus. Mais en effet, on est sur un numéro d'équilibriste. On le rappelle. A pour l'instant un track record qui est quand même beaucoup plus light que la grippe qui explose. Je suis pas d'accord là-dessus non plus. Moi qui ai vécu les périodes du SRAS qui étaient quand même assez dangereuses, a commencé quand même à tomber un petit peu gentiment. Ouais. Je rappelle quand même que ce que vous trouvez un peu light, ça a dépassé le SRAS en 10 jours.
Donc, et déjà. Oui, mais on se rappelle que pour le SRAS, il y a eu un emballement qui était assez incroyable. Oui, est-ce qu'il faut mieux surjouer et protéger des gens ou se dire, bah, de toute façon, n'importe comment, ça sera comme le SRAS, c'est une grippe. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Attention, mais je pense que le bon truc, c'est justement pile entre notre niveau à nous qui est, de toute façon, c'est une maladie OSEF, et ton niveau à toi qui est, il faut absolument se calfeutrer. Je pense qu'il y a un juste milieu. Je n'ai jamais employé ce mot-là. Je dis, il y a un principe de précaution pour le civil. On n'est pas des militaires, on est des civils. Je crois qu'un gouvernement ou une mairie doit avoir un principe de précaution quelque part. Mais je suis d'accord avec toi. Et Solid Snake, meilleur pseudo, excusez-moi, Solid Snake sur le pseudo me dit effectivement, c'était pas pour le SRAS, c'était pour le H1N1. Oui. Merci, oui. Solid Snake. C'est vrai. Meilleur pseudo. Hein, je parlais des vaccins de Roselyne Bachelot. Tu vois, le H1N1, typiquement, principe de précaution à balle. 95 millions, ça nous a coûté. Tout le monde s'emballe, on commande des millions de vaccins pour une maladie qui a. Mais tu sais pourquoi? En fait, il y a quand même deux choses, c'est que. Au journal de la santé. PV parle du principe de précaution, mais il y a un truc qui est vrai, c'est que au niveau de la Chine, on l'a vu en fait se mettre en place tout le confinement, etc. On l'a vu se mettre en place très très vite, et même au niveau du citoyen, tu vois, avec les barrages qui ont été faits, tu sais, les barrages par les gens à l'entrée de certaines villes, etc. Ouais, ouais, ouais. Et donc, en fait, je pense que à cause de ça, ça a généré beaucoup de peur. Je ne sais pas si c'est justifié ou pas, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas spécialiste en santé, mais en tout cas, on l'a vu, ce principe de précaution. On l'a vu bien plus que ce qu'il y avait eu avant, justement, à cause de ce qui s'est passé au préalable. Oui, d'accord. Il n'y a pas eu ça. C'est très bien qu'ils confinent, mais n'annulez pas des salons à Barcelone, enfin. Mais c'est ça la question. Après, qu'est-ce qu'on fait du reste? Ben, en même temps, le reste, donc, à savoir toi, par exemple, tu vas pouvoir te reposer. C'est vrai. Mais pas trop, parce que du coup, ce qui n'était pas Barcelone, on va le voir ailleurs, dans plusieurs pays. Oui, du coup, on va devoir le voir. Mais ouais. Par contre, c'est vrai que, par exemple, à la conférence Samsung, là, de San Francisco, toute l'Asie, enfin, les délégations asiatiques ne sont pas venues. Ah. Chinoise, Singapour, voilà. Ah. Je disais ça, voilà. Ok. Okay. Ça conclut, et je crois que le débat est intéressant, c'est pas une question de santé ou pas santé, c'est surtout qui m'ennuie dans tout ce que l'on dit, et je suis un mec très franc, parce que, encore une fois, j'aime bien dire les choses, j'estime que moi, je suis un citoyen normal, je regarde les infos, je regarde les médias, je regarde tout ce que le monde fait. Est-ce qu'on a, malgré tout, la moindre preuve de tout ce qui se passe réellement en Chine? Moi, j'ai des gens qui sont à Hong Kong, qui sont à Shenzhen, à Hong Kong, on me décrit des situations qui sont très différentes de celles qui sont relatées. Donc, est-ce que, justement, certains... Les intervenants qui sont donc asiatiques ne sont pas peut-être un peu plus au courant de ce qui se passe sur place on ne l'est, et qui se disent attention, c'est peut-être un peu plus sérieux que la grippe et que peut-être il faut faire attention. Moi, j'ai des potes qui sont donc à Hong Kong, ça fait 10 jours qu'ils ne sont pas allés au bureau, ils sont confinés chez eux et c'est à Hong Kong. Donc, et on est entre guillemets pas Hong justement dans le Wuhan. Mais tu vois, et à Shenzhen, j'ai des potes qui sont confinés. Donc ça, c'est des gens que je connais, qui sont donc des expats et qui m'envoient des messages sur Facebook et autres. On dit, ils sont chez eux. Donc, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Moi, je sais que mes potes sont chez eux. C'est tout ce que je sais. Mmh. Après, le reste de la Chine, j'en sais rien. C'est ça, mais à quel niveau est-ce qu'on sait ou on ne sait pas? Principe de précaution. Je peux comprendre, moi, ça m'a fait. J'ai senti le coup venir quand les marques sont annulées. Mais le truc qui m'a épaté, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que Vivo y soit, alors que le reste du groupe n'y soit pas. Et tout le reste, on s'était fait la réflexion. Le reste du groupe y soit. Il y avait Oppo, OnePlus avait une présence Realme. Realme, Oppo avait une... Comment identifier une des marques dont la firme mère veut se séparer, Non, mais après ceux qui avaient un vrai intérêt à être là, c'était plus Oppo et Realme que Vivo. Donc qu'après soient les premiers à dire salut, on s'en va, ça m'étonne mais pas. Mais quand ça commence, on est d'accord qu'on sentait le coup venir. Au fur et à mesure, c'était la boule de neige. Et à un moment donné, quand tu vois tous ces gens qui ne viennent pas, tu dis tu maintiens un truc. Et moi, j'ai pensé à un moment donné, j'ai pensé à un moment donné que les gens qui organisaient ce salon préféraient avoir un salon vide et pas avoir à rembourser plutôt qu'un salon qu'on annule tout d'un coup. Genre, ils ont dû annuler, mais avoir vraiment le couteau qu'il existe pour pas avoir à rembourser. Évidemment. Moi, je me fais la je suis désolé. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils ont attendu d'avoir suffisamment d'annulations pour être sûr de limiter la casse. Voilà. Mais bon. Ils ont attendu dernière minute et vraiment, ça devait être aujourd'hui les annulations. Ouais. Ils ont attendu. Je pense qu'ils ont eu quand il y a eu Vodafone Orange, c'est-à-dire les gens qui ont des gros stands qui n'auraient pas à rembourser. Et peut-être que Samsung a peut-être menacé de ne pas y aller ou un truc comme ça. Tu sais, un truc que tu ne sais pas, mais qui s'est produit, qui a été un déclencheur. Il y a un truc où il y a un moment donné un des acteurs qui dit bah là, je crois qu'on ne le sent plus. Ça suffit. De toute façon, on savait que dès qu'un vrai gros se retirerait, c'est-à-dire si Huawei dit on s'en va,
Voilà. C'était plié. Voilà, comme Melinda dit. C'était plié. Ou ça, ou donc voilà, on devait faire 2 minutes sur cette info. Ouais. Et bien, voilà. Et on ne peut pas vous effrayer. On espère qu'on va trouver des choses. Alors, on va rester, on va rester dans les problèmes asiatiques, puisqu'on bascule sur Chrono, qui va nous parler aussi d'un best-seller, j'ai envie de dire. Ah ben, totalement. Et non. Totalement. Non mais oui. Il va nous parler de la célébrissime Xiaomi M365, la trottinette qui s'est le plus vendue dans le monde entier. Je ne suis pas sûr de ça, mais en tout cas, c'est... La trottinette adoptée par Bird, déjà, sur sa flotte au départ. En tout cas, on l'appelait, il y a quelques temps encore, la trottinette de Webedia, n'est-ce pas? Parce que chacun à Webedia... Ils avaient un chapter à Webedia. Donc là, on voit la version pro. Chez nous, elle est sortie en 2018. Et d'ailleurs, sinon, elle s'appelle la Xiaomi Mi Scooter. Et la version améliorée qui s'appelle la Xiaomi Mi Scooter Pro. Eh bien, figurez-vous qu'il y a eu un avis de sécurité délivré par la DGCCRF. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes. Voilà. Donc, c'est un niveau étatique. Donc, hein. C'est un truc gouvernemental. Là. C'est gouvernemental. Qui ont, en fait, comment dirais-je, avec Xiaomi, déclaré une alerte de sécurité, un avis de sécurité sur les modèles qui sont sortis entre 2017 et 2018. C'est-à-dire tous ceux qui ont été achetés par à peu près tout le monde dans le monde. Hein. Exactement. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y a des risques assez fréquents. Je pense que certains, même à Webedia, peuvent en témoigner. Ah oui. Appuyez sur F, tout pays respect, vous savez à qui je pense. fracture de membres. Ah. Autre blessure externe, on peut imaginer des blocs. Perte de chipot, j'imagine. Voilà, des pertes de chipot. Commotion cérébrale. Ah. Et donc, apparemment, il s'agirait d'une pièce, je pense, par rapport à ce que j'ai vu sur moi-même, j'en ai une de trottinette, donc je pense que c'est au niveau du pivot du guidon vers. Ce qui permet de le replier, quoi. Voilà, ce qui permet de le replier. En fait, il y a une pièce qui est en aluminium. Sur le chat, ça dit press F for panfa. Ben, ça, c'est. Voilà. Et, non, mais c'est les meilleurs, au ou. Ce cher Xari, mais c'est un autre meilleur problème, n'est-ce pas? Qu'on embrasse. Ah oui, Xari aussi, c'est. Ouais, Xari, un petit souci de priorité à droite avec quelqu'un. Ah oui, non, mais là, c'est pas la trottinette qui s'est repliée. C'est pas la trottinette. C'est pas la trottinette. Ouais. En plus, c'est pas ce modèle-là qu'il possède. Mais bon, du coup, j'avais dit que j'arrêtais d'employer ce terme. Faut que je trouve des palliatifs. Du coup, du coup, j'en ai marre. C'est le 2020. En effet. Donc, la colonne peut s'épuiser, la colonne de direction peut s'épuiser et ça peut entraîner la perte de contrôle et la chute du conducteur parce que c'est une pièce qui s'abîme. D'ailleurs, j'avais vu une vidéo il y a quelques temps sur YouTube, j'ai oublié le nom de la chaîne et c'est quelqu'un en plus que je suis sur Twitter dont j'ai oublié le nom, qui avait montré sa trottinette au bout de quelques mois. Ouais. Et effectivement, au niveau, la vis s'en allait au niveau de joints. Bien sûr, les pneus dégonflés, les pneus crevés, ça, on l'a tous vécu au moins une fois. À remplacer. Ouais, mais alors, parce que je sais que sur cette trottinette, il y a énormément de gens qui remplacent les pneus matiques. Oui. D'origine par des pneus pleins. Absolument. Sauf que le pneumatique d'origine, il est gonflé et du coup, c'est ce qui permet normalement d'atténuer légèrement les vibrations. Est-ce que le fait de passer en pneu plein, ça risque pas justement de tout faire vibrer et de créer par exemple des garde-boue qui. Enfin là, par exemple, je m'adresse à Ken, Ken Bogart, qui en est à la V8 hein, de son garde-boue, de son garde-boue custom. Bon, en fait, on comprend que. Bon, clairement, il y avait une faiblesse par exemple au niveau du garde-boue, mais ça a été accentué par le fait que tous ces gens passent avec des pneus pleins. Que du coup les vibrations ça fatigue en fait la machine. Exactement. Beaucoup plus vite et que potentiellement ça puisse arriver sur des organes qui sont relativement critiques. Là, la question que moi j'ai c'est qu'est-ce que je fais avec ma trottinette si je l'ai achetée à cette période? Alors, si tu achètes à cette période, malheureusement pour toi, si comme beaucoup de gens tu l'avais importé comme sur Gearbest, Alibaba, à l'époque, ça compte pas. Eh ben tu l'as dans l'os. Ah merde. Parce que en France tu ne peux te faire rembourser. Tu ne peux te faire réparer ta trottinette que si tu l'achetais en France, donc à partir de mi-2018. Même pas zone européenne. Ah ouais. J'ai lu France moi. Tu vois, pour les remboursements il y a un avis de Xiaomi. Donc tu peux effectivement aller sur le site de Xiaomi. Ils ont fait, il y a une page que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet où là tu peux rentrer le numéro de série de ta trottinette pour savoir si elle est concernée. Ouais. Donc, pardon, c'est jusqu'à fin 2018. Donc potentiellement en France, ce sont les gens qui les ont achetés sur les 6 mois qui vont de juin 2018 à fin 2018 ou même octobre, je crois seulement. Et les gens comme moi, les gens comme j'imagine Ken Bogard, les gens comme Panta, beaucoup de gens qui l'avaient commandé à l'époque sur Gearbest, beaucoup de gens comme ça l'ont dans l'os malheureusement parce que vous ne pouvez rien faire. Mais il y a un autre truc aussi, c'est que on va revenir sur un petit truc, c'est qu'est-ce qui explique le phénomène de cette trottinette électrique?
Simplement. Bah, c'est qu'elle est pas chère. Bah, c'est tellement des meilleurs rapports qu'elle était prise. Bah, elle existe. Sûr, elle fonctionne bien. Elle roulait suffisamment vite. Son design était minimaliste mais efficace. Pas trop lourde. Non, elle n'est pas très lourde. Elle faisait 12 kilos. Quoi. C'est pas énorme. Pour moi, c'était l'Android de la trottinette, ce truc. C'est exactement ça. T'exagères. T'es un peu méchant. Mais c'est pas non, mais pas du tout. Non, alors attention, entendons-nous bien. C'est-à-dire que je dis Android parce qu'il y avait un excellent rapport qualité-prix. Il y a Android et Android, on est d'accord. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, c'était le OnePlus de la trottinette. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est-à-dire une trottinette en dessous des 400 euros. Avec tout ce qu'il fallait, l'application qui va avec, machin, et puis un design aussi qui faisait pas jouer comme c'était le cas avec les trottinettes précédentes. Exactement. RIP. Donc voilà, donc du coup putain, j'avais dit que j'arrêtais avec ce mot, merde. Non mais c'est mort. En effet, Pépé, merci. De fait, si vous avez une trottinette achetée en 2018 en France dans les Xiaomi Store ou n'importe où, vous pouvez la faire réparer. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez qu'à prier. Et ils disent bien dans la notice que si jamais vous avez la vis qui commence à céder sur votre trottinette, il ne faut surtout pas la manipuler vous-même parce que vous risqueriez d'aggraver et de causer encore plus d'accidents. C'est le message est passé. Si jamais vous vous croûtez avec votre Xiaomi à cause de ce problème qui a été maintenant identifié correctement, n'hésitez pas déjà à aller à l'hôpital. Et dites-le nous, ça nous intéressera de faire un petit report la semaine prochaine sur tous les gens qui ont connu des chutes potentiellement mortelles avec ce matériel. Mais blague à part, ouais. Si je devais en racheter une, je la rachèterais quand même. Voilà, vous voyez la drogue. Non mais parce que c'est vrai que c'est pas cher et que c'est efficace. Et bon, si jamais ils ont eu l'honnêteté de reconnaître le problème et que ça se répare, eh bien, moi, je dois dire que, après, on passe tout de suite à la news de Melinda, mais je dois dire pour terminer que tous les gens que je connais qui se sont enculés en trottinette, c'est avec la Xiaomi Mi 365. Est-ce que c'est parce qu'il y en a beaucoup ou est-ce que c'est parce qu'il y a un problème? Les deux, je te dirais, visiblement. Moi, tous ceux qui se sont maraves, c'est avec ce modèle-là. Voilà, faites-en ce que vous voulez, c'est ça, de la vraie info. On passe à Melinda. C'est vrai? Oui. Tout à fait. Oh là là. Tu vas nous parler, je crois, d'une mise aux enchères. Ah, est-ce que tu as un petit peu d'argent? Non, plus trop depuis que je mets de côté pour m'acheter le Z Flip à 4000 balles. 1500. Je vais vous raconter une belle histoire. Oh oui, vas-y. Ou pas. Vas-y. C'est l'histoire d'une console qu'on n'a jamais vue, mais dont tout le monde en a entendu parler. Le fameux mariage qui aurait dû avoir lieu à la fin des années 80, début des années 90, entre Nintendo et Sony. Bien sûr, la PlayStation. La Nintendo PlayStation. Wow. Alors, cette console, qui a longtemps été une espèce d'arlésienne, on en a entendu parler, mais on ne l'a jamais vue, elle réapparut en 2015. Comme ça. Oups. Ouais. Et là, on s'est dit, elle existe vraiment. Il s'agissait donc, si on peut avoir une petite photo de cette magnifique console, regardez ça. C'est un Discman, avec c'était, un port cartouche. En fait, elle était tirée de la Super Famicom, donc la Super Nintendo, Super NES, appelez-la comme vous voulez, à laquelle Nintendo avait demandé à Sony de rajouter un lecteur de CD-ROM. Ouais. C'était le début du CD, la grande ère du CD, dont Pépé vous parle souvent. Et l'idée de Nintendo était d'amener cette nouvelle dimension du jeu à sa console à cartouche. Sony planche dessus, donc alliance 100% japonaise. Sony planche sur ce projet, essaye d'accoler un lecteur de CD. Moi, j'avais vu que dans les mock-ups qui passaient au départ, c'était un lecteur qu'on clipait sous la console. Plus, et là, ils voulaient réfléchir à un concept entier. Ouais. Voilà, c'était pour marquer sa différence par rapport à Sega, par rapport à Mega Drive qui cartonnait. Donc, début des années 90, Sony planche à fond sur son truc, arrive 1991. Oh, ça bouge en plus, regardez, ça, c'est les images de 2015, donc de cette console qui est réapparue. Et longtemps, on a cru que c'était complètement un fake. Mais attends, en plus, c'est écrit PlayStation comme sur la PlayStation. Je vais te raconter pourquoi. Ouais. Parce que figure-toi qu'en 91, au CES, qui cette année-là se tient à Chicago, le président de Nintendo of America monte sur scène pour présenter un super partenariat avec Philips. Et là, mine décomposée chez Sony, qui n'en avait jamais entendu parler. Ah, les chacals. Nintendo décide alors de faire une alliance quasiment à l'identique avec Philips, un Européen. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte un peu du sacrilège? Là, à cette époque-là, ça donnera naissance à la fameuse CDI. Avec le Zelda magique. Meilleur deal, de l'histoire. Donc, le patron, Hiroshima Yamauchi, lui voit finalement, qui est le patron de Nintendo, voit quand même d'un mauvais œil l'idée de confier une partie du matos à Sony. Sauf qu'à l'époque, le savoir-faire CD, il est
chez Sony. Oui. Donc il les a un peu, voilà, il les a un peu zouloutés, comme tu dirais. Sony donc prend ça en pleine gueule, mais décide quand même de faire le matos. Ça donnera donc cette Nintendo PlayStation. Là, c'est limite un chenet, mais je me vengerai. Qui s'appelle alors ce produit s'appelle PlayStation la première fois, mais en deux mots. Ouais. PlayStation. Voilà, il y en aura 200 unités qui seront vendues. Ah, quand même. Voilà, ça c'est le seul exemplaire. Mais on est d'accord qu'il n'y a jamais un seul jeu qui est sorti. Regarde, la manette, elle ressemble à quoi la manette? Elle est bloquée Sony, c'est une manette Nintendo, quoi. Mais par contre, il n'y a aucun jeu qui est sorti, on est d'accord. Mais en fait, elle était compatible avec les jeux. Oui, non, mais un jeu CD, parce qu'il n'y a jamais eu de jeu CD. Non, il n'y a rien eu du tout. Mais elle était fonctionnelle. Donc ils en ont sorti 200 de cette console un peu hybride. Mais surtout, le partenariat derrière devait donner naissance à un autre produit. Et Sony, là, c'est bien gardé de filer le truc à Nintendo. Ça a donné la PlayStation première du nom qu'on connaît. Et c'est bien fait pour Nintendo. Et en fait, Nintendo, en voulant un peu les fourrer, a créé un monstre qu'on connaît aujourd'hui, ils ont donné naissance à PlayStation. C'est une vidéo de ce cher Edouard sur la naissance de PlayStation qui est absolument formidable, cette vidéo dans laquelle il dit que c'est Kutaragi, donc le fondateur de la PlayStation qui est resté... Ken Kutaragi, qui a été pendant très longtemps, et qui presque par orgueil, tu vois, je vais sortir cette console, je la ferai quand même et elle va marcher. Mais voilà, mais en fait, et résultat, ils, regardez où on allés, est aujourd'hui. Ils sont allés c'est au bout du concept, ils en ont vendu 100 millions, je ne sais plus combien on en est. La CDI Philips Nintendo, c'est 1 million. Alors regardez, grâce à un jeu incroyable de billard à 18 bandes, Nintendo plante Sony, donc Sony sort la PlayStation 2 enterre la Dreamcast de Sega, donc Nintendo a tué Sega. Ah non, mais... C'est du lien belge, hein, mais là... Mais voilà. Et donc, cet exemplaire-là, qui est apparu en 2015, qui a été authentifié, alors le propriétaire expliquait qu'il avait récupéré la console d'un ami de ses parents qui travaillait à l'époque chez Nintendo. Alors en fait, il l'aurait récupéré plutôt de Olaf Olafsson, qui était le premier président de Sony Entertainment, qui, en vadrouillant de Time Warner à d'autres boîtes, en fait, a fini par la laisser un jour dans une des boîtes où il est passé. Et donc le môme, qui n'est plus un môme, l'a récupéré en cadeau. Cette petite machine est donc aux enchères sur un site qui s'appelle Heritage Auction. Si vous avez un peu de sous, allez-y, sortez-les. Elle était ce matin, quand j'ai regardé, à 350 000 dollars, mise aux enchères à 15 000 déjà. Il faut savoir une chose, c'est qu'il est là, hein, il n'est pas loin, ce cher Ken Bogard, mais il faut savoir que ce matin, dans le Lunch Play, il a failli, apparemment, selon tout le monde, de mettre 400 000 dollars dedans. Est-ce que tu confirmes, Ken Bogard? Je confirme, bien entendu. J'ai même mis 401 000 dollars pour faire comme eBay et réussir à remporter l'enchère. Malheureusement, il fallait être solvable. Puisque c'est plus cher que le prix de mon appart. Je tiens juste à préciser que cette console plairait énormément à Pépé puisqu'elle est équipée des processeurs sonores Sony qui équiperont la PlayStation après et que ça faisait partie des meilleurs processeurs sonores CD qui pouvaient exister dans la première génération de PlayStation. Voilà. Merci Ken. Je remercie la régie pour le plan. C'est génial. Le plan KGB là, il est parfait. Ken, il est parfait et on n'était pas prévenus, donc vraiment incroyable. Bon, cette émission. En tout cas, Ken, t'as jusqu'au 27 février pour économiser. Mais à mon avis, elle va partir. Donc l'enchère se termine le 27 et là on est donc le 14 ce matin, et aller à midi, on était à 350 000, sachant qu'hier, j'avais regardé, nous n'étions qu'à 45 000. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la nuit. On en a parlé. 322 000 euros, ça fait. Franchement, ça fait cher pour une console qui littéralement n'a aucun jeu. Qui va finir dans un musée. Oui, non, mais je veux dire. Mais ayez une pensée quand même, parce que donc il reste 199 autres exemplaires si ça se trouve, qui sont dans la nature. Les mecs se disent qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc, il va y avoir les farfouilleurs de greniers qui vont se mettre en chasse. Ça se trouve, elle va sortir sur une brocante. Vend un Discman à cartouche. Ok, merci. Une petite news là. Normalement, on devrait arrêter là, mais en fait, on va tirer jusqu'à. Je sais, vous inquiétez pas, tout est géré. Chrono. Tout est géré, panique à bord. Ça ira très vite. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Andy Rubin? Bien sûr, c'est le mec qui était chez Palm, puis chez. C'est l'inventeur. Et puis c'est surtout l'inventeur d'Android. Exactement. Le créateur d'Android qui avait créé sa boîte qui s'appelle Essential avec le Essential Phone. Ah mais oui. On en avait parlé il n'y a pas très longtemps. Sorti en 2017. Eh oui. Sorti en 2017 exactement. Et ils ont fait ce produit-là en 2017. Ils avaient un
projet qui s'appelle le projet, comment c'est GET, je crois. Oui, on a... Bref, j'ai oublié le nom. On avait parlé le projet, télécommandes, oui. C'est le projet vidéo. GET, qui est ouais. Le projet GEM. Le projet GEM, qui est une sorte de smartphone très en longueur. Tu sais, on avait montré. On se demandait à quoi ça servait exactement. Complètement intéressant. Il est sorti. Il est là, en exclusivité pour le JDH. Mais il est sorti. Arrêtez votre vidéo, ça sert à rien, votre truc. On l'a sur le plateau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé alors chez Central? Eh bien, ils ont mis la clé sous la porte là. Oh. Et c'est annoncé ce matin, quoi, hier. C'est hier, c'est ça? Ah ouais. Alors, ils ont dit simplement que le produit, ils l'avaient en tête, mais qu'ils n'ont pas les moyens d'aller jusqu'au bout. Oui, il faut avoir les reins solides, hein, comme on dit. Ils se sont parmi du succès du premier. En fait, ils ont eu un mal de chien à rebondir. Et c'est alors que c'est des gens qui sont vraiment des créatifs, mais. Mais les créatifs et les marketeurs, c'est quand même deux engences radicalement différentes. Leur premier produit, ils avaient sorti des produits qui étaient innovants dans le design. C'était les premiers qui avaient des écrans, sans bord. Le coup d'eau, c'était eux, hein. D'ailleurs, les premiers modèles. Ils ont été vachement. Mais en fait, c'était des produits qui étaient beaucoup salués, mais qui ne se vendaient pas. Bah oui, mais donc, parce qu'après, il faut avoir les moyens de ses ambitions, c'est toujours. Mais ça se vendait pas. Donc, problème, c'est ça. Petite astuce pour vous, mais si jamais vous trouvez dans une des boîtes de tonton, tata, ce smartphone-là, prenez-le dans quelques années, peut-être que vous le revendrez à 360 000 euros aux enchères. Ouais, ça, c'est le précédent, ça. Non, qu'on a vu là. C'est pas le précédent? Non, c'est le. Je suis pas sûr que ça prenne vraiment de la valeur parce que finalement, Essential, c'est une étoile filante dans la voûte céleste de la tech. C'est un météore. Les 350 millions de smartphones. Ah oui, évidemment. On va pas s'éterniser plus longtemps là-dessus. Oui. En tout cas, juste pour dire qu'il reste une piste. Malheureusement, et c'est le créateur d'Android, ce qui est d'autant plus difficile à comprendre. Ça me fait mal. C'est normal. Personnellement, ça me fait mal. Pas grave, ça arrive. Parce que le mec a un nom, c'est une histoire. Oui, mais les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés. Et justement, on parlait d'Android, on va rester du côté de Joujol. Oui. Ou pas? Oui, parce qu'on parle de détox. Ah oui, mais je voulais vous parler de ça parce que ça m'avait fait rire. Eh oui. Si on peut envoyer la petite vidéo parce que je pense que la vidéo parle d'elle-même. Oh. Il faut savoir que chez Google, ils ont le droit, tous les employés, à 25% de leur temps. Un jour par semaine, en gros, à 20%. Consacré à des projets perso. Ouais. Voilà, c'est chez eux. Ça a donné naissance aussi à des produits qui sont devenus des produits Google. Et donc, ça s'appelle. Ils ont tout un site et plein de choses qui s'appelle Experiment with Google, qui est aussi ouvert à des entreprises extérieures à Google qui peuvent soumettre des projets. Voici un projet de digital detox assez particulier. Donc, ceci est un emballage en carton. Ouais. Et. Pour vous dire, on dit toujours qu'on passe trop de temps sur notre smartphone, qu'il faut apprendre à s'en détacher, qu'il y a trop de fonctions. Le Android comme iOS, maintenant, ont des fonctions pour vous éloigner. Eh bien, ils ont trouvé carrément le smartphone en carton. C'est-à-dire, tu mets ton smartphone Dans un emballage, dans une feuille qui va ressembler à ça. Vous allez faire atelier découpage. Ouais. Ceci. Ah, c'est génial. Ah, voilà. D'accord. Voilà. Donc il y a plusieurs modèles. Ça, c'est le modèle pour limiter les appels. Donc voilà, vous voyez, il y a le petit schéma. Vous imprimez ça. C'est-à-dire que là, en fait, du coup, sur ton téléphone, tu n'as plus que des touches. Que des pour touches appeler. Pour appeler et recevoir des appels. Donc ça transforme ça en téléphone à l'ancienne, en fait. Exactement. Et donc tu ne peux rien faire. Tu scotches, en fait, tu fermes. Donc tu décides du temps que tu veux consacrer à ta digital detox. Il y a un autre truc qui te permet que de prendre des photos. Hier et tout. Ah, c'est marrant. Voilà. Tu peux le faire zoomer sur la régie. Va zoomer sur le zoom, au fait. Il est à peu près au niveau de la souris, je pense. Il y a un autre modèle qui permet de ne prendre que des photos ou de la vidéo, sauf que vous ne voyez pas l'écran, donc vous ne savez pas ce que vous filmez. C'est un autre problème. Donc voilà. Comme avec un appareil normal, j'ai envie de te dire à l'ancienne. Ouais, mais là, tu n'as pas d'écran de. Oui, tu n'as même pas de viseur. Pas de viseur. Donc, regardez, c'est génial. Une boîte qui s'appelle Special Project, qui est un cabinet de conseil en conception et invention. C'est pas plus londonien. Simple de s'acheter un téléphone bête. Un feature phone. Ouais. Alors, ils veulent te proposer ça, justement, ils veulent ça comme alternative au feature phone. Tu n'as pas besoin d'avoir un deuxième téléphone, tu mets le tien là-dedans. Alors, pour le moment, ça ne marche qu'avec les Pixel 3A de Google. Oui, même parce pas que j'imagine autres, qu'il faut respecter... Parce que c'est le schéma qui est fait comme ça pour le moment. Voilà, c'était drôle, je voulais vous montrer ça. Pentadas, il te fait un schéma. Oui, ça, je peux le faire. Non, mais la question, du coup, il n'y a aucune application ou quoi au cas, il n'y a pas un truc à installer pour que ton téléphone sorte la bonne interface. Non, en fait, il va comprendre ton téléphone. En fait, apparemment, ça va juste comprendre. Moi, je suis sceptique aussi. Pour le moment, c'est un projet. Mais d'ailleurs, il y a un truc très drôle, c'est que OnePlus avait sorti en fanfare une mise à jour, tu sais, dans laquelle ils mettaient en avant le Zen mode. Voilà. Et apparemment, c'était une demande de la communauté. Oui. En fait, tu programmes ton smartphone pendant 40 minutes. Alors maintenant, c'est de 20 à 60. Et là, en fait, ils se briquent.
C'est-à-dire qu'il te dit, attention, tu ne pourras utiliser que les appels de personnes d'entrée répertoire, les appels d'urgence. Oui, mais c'est pas plus mal. Et les gens ont demandé ça, Daz. Moi, j'ai pas compris, mais les gens. Si, il y a une vraie demande. Requête de la communauté. Tu sais, il y a un effet de mode autour de la digital detox aujourd'hui. Tu sais, t'as les week-ends. Non, mais bien sûr. On n'a pas envie de se couper. Voilà, c'est pas un problème de digital detox. Nous, c'est qu'on veut plus du tout de tech tout court. On n'a même pas l'heure, hein, tu vois, pour te dire. Ah oui, d'accord. Oui, là, c'est extrême. Mais voilà. C'est extrême, c'est comme nous. Mais ça, tu déchires le papier et tu récupères ton téléphone. Ouais, ok. Non, mais c'est. Mais voilà, je trouvais ça drôle et c'était dans les projets complètement farfelus qu'il y a. Mais allez faire un tour sur le Experiment with Google. Ça vaut le détour. Il y a des trucs, c'est complètement what the fuck. Donc voilà. Eh ben on va faire un tour sur ces trucs. Moi, ça m'intéresse toujours. En plus, c'est toujours côté Android qu'on fait les trucs les plus farfelus. Allez comprendre pourquoi. C'est plus simple. Peut-être un lien de cause à effet. Chrono, mon cher Chrono. On va aller vite. Je vais aller très très vite. En fait, c'est juste, c'est sur Frandroid. C'est ce cher Kassim Ketfi. Le Kassim. Ah, le Kassim. Moi, je l'adore. Je le connais pas, mais je l'adore déjà. C'est un gars vraiment génial. Super, super intéressant. Je vous recommande d'aller jeter un œil à son article sur le xCloud notamment. Et il explique que la façon dont le xCloud de Microsoft est en train d'arriver, notamment sur iOS, et surtout que ça soit limité à un jeu. Et il regarde un petit peu ce qui se passe de point de vue des divers services de cloud gaming, notamment Stadia, GeForce Now et xCloud. Et il explique pourquoi est-ce que ça a du mal à arriver sur iOS, notamment à cause des freins. Bien sûr. Pardon, j'ai positionné sur le frein principal. Mais toujours. C'est-à-dire que Apple a toujours dit que pour être présent sur l'App Store, il ne fallait pas exécuter du code externe à l'application. Donc ça fermait déjà naturellement la porte à tout ce qui était émulateur. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'émulateur sur iOS. Que les rares qui ont réussi à passer, c'est des applications qui ont menti sur ce qu'elles faisaient. Ouais. Qui quand elles se font attraper par la patrie, voilà, quand elles se font attraper, effectivement, ça pique. Mais globalement, effectivement, chez Apple, ils ont toujours dit vous n'exécutez pas du code externe à l'application. Sous-entendu, tout doit être packagé dans l'appli et tourné nativement. Donc effectivement, pour moi, c'est déjà un mystère de voir que certaines applis, donc là, tu parles de xCloud qui a réussi à passer, il y a aussi Moonlight qui est la version open source de GameStream de Nvidia, donc qui permet de faire du streaming local, qui est disponible aussi, et on a aussi Steam. Oui. Donc Steam Link. Que Steam Link fonctionne, ça met du temps, mais ça fonctionne. Ouais, alors peut-être qu'effectivement, maintenant, la limite, c'est est-ce que le jeu t'appartient, sous-entendu, est-ce qu'il tourne sur une de tes machines en réseau local? Ou est-ce que tu fais appel à des serveurs distants, auquel cas, effectivement, ça pourrait expliquer que GeForce Now, ça ne soit pas encore le cas, et que xCloud, ça soit limité à un seul jeu. En tout cas, pour moi, là-dessus, c'est effectivement un des points sur lesquels Android a tout à jouer. C'est qu'ils sont beaucoup plus open sur la tolérance en termes d'applications à exécuter. Et ça pourrait clairement être la plateforme qui fait tourner toutes Regarde ce qu'on dit. GeForce, tout le monde fonctionne sur Android, mais... Moi, je pense qu'on peut pas. Enfin, Apple, quand tu connais la maison, comment elle fonctionne, il n'y a pas de place à peu près. Oui, mais justement. Il y a trop de risques. Et d'ailleurs, les trois quarts du temps, quand on entend des problèmes d'appli ou quoi que ce soit, c'est sur les stores et pas sur. Bien sûr. Mais en dehors de ça, il faut aussi qu'Apple comprenne qu'il y a des usages qui évoluent. Bien sûr. Mais... Et qu'effectivement, les guidelines qui étaient adoptées à la sortie de l'App Store en 2009 ou 2010. Non, là, ce qui est dingue, c'est que c'est Microsoft et tu vois comment ils travaillent avec eux. Voilà, ils sont quand même assez proches pour que ça puisse ouvrir des portes peut-être pour l'avenir. Bah, ça serait bien, oui. Moi, je doute quand même que Apple se ferme volontairement la porte à la manne que pourrait représenter le cloud gaming pour tous les joueurs et se dire que du coup, les joueurs ne prendront pas un peu. Enfin, ils se retrouvaient dans une situation qui est similaire à celle d'Apple avec le Mac. À savoir, les gens ne jouent pas sur notre plateforme, tu vois, c'est débile. Ouais. Quand tu sais que l'App Store, par ailleurs, c'est la première console du monde, c'est un peu con de se fermer sur tous les joueurs qui veulent jouer. Mais c'est vrai que là, c'est bien, parce que c'est hyper frustrant quand tu testes xCloud ou le console streaming. Enfin, moi qui ai en téléphone principal un iPhone, c'est vrai que c'est un peu frustrant quand même. Tu peux faire là-dessus, surtout. Bon, là, pour le coup, c'est un peu... C'est limité, on ne l'a pas encore en France. Mmh. Donc, c'est vrai. C'est vrai je n'ai pas précisé, mais la bêta, elle est pour l'instant aux États-Unis, au Royaume-Uni. Et au Canada. Au Canada, voilà. Bah, peut-être que ça, peut-être que ça va bouger. Mais... Et moi, j'avais rencontré les gens de chez, justement, les responsables du projet xCloud, qui, eux, sont hyper confiants sur le fait que, là, dans les prochains mois, ça arrivera sur iPhone vraiment pour tester xCloud et le console streaming. Parce que rien n'empêche, en fait, le console streaming de l'appli. Elle non, mais après, tu as des apps, je veux dire, sur l'App Store, tu as des apps de VPN. Tu vois, oui, bien sûr. Non, mais donc ça, de VNC. On s'est compris. De VNC. Donc en fait, tu peux prendre le contrôle à distance sur tes machines, y compris avec. Mais bon, ça avec, avance. L'application. Ça avance, et on en reviendra au fait qu'ils avancent petit à petit. On a le USB-C qui arrivait sur les Mac. On a la charge de Qi qui arrivait sur iPhone. Donc en fait, les choses se déverrouillent. Ouais, moi, je pense que d'ici la fin de l'année, mais quand ils le font, c'est 100%. Oui.
Nickel, voilà. Et le dernier truc, oui. On le fait à l'arabe. Ah, il y a Allô. Ken oui. Regardez, voilà. Ken du standard. Oh. Bien sûr, bonjour, ici le standard. Alors, on posait la question un tout petit peu dans le chat, mais est-ce que Xcloud et tous ces services de streaming exécutent vraiment du code externe ou est-ce que c'est finalement comme... Non, c'est juste une passerelle. Comme Netflix, voilà, exactement. C'est du VNC, bien sûr. Ben, pour moi, je suis complètement d'accord avec ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'une app comme Shadow, elle existe sur iOS. Exactement. Donc c'est bien la preuve que... c'est juste que je pense vraiment qu'il y a des guidelines sur lesquels les gens se prennent les pieds dans le tapis au moment où les devs posent leurs applications pour les faire valider. Et pour moi, c'est des trucs qui devraient effectivement évoluer côté Apple parce que ça n'a plus aucun sens en fait de les conserver. D'ailleurs, rapport au chat. J'ai l'impression que tu as un morceau de piano à chaque fois qu'on le voit. D'ailleurs, Kassim explique qu'il passe le test de Microsoft de xCloud sur iOS, passe par le programme Test Flight d'Apple qui bien a des restrictions très importantes. Qui est leur Test Flight pour le coup. Voilà, quand on est journaliste, on a des applis à tester, c'est le truc qui est cadenassé. Ouais. Si c'est dans Test Flight, c'est vraiment une garantie de. Les gens demandent d'expliquer VNC. En fait, c'est de la prise en main à distance. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, je sais plus vous ce que mettez, ça veut dire exactement. Vous mettez un serveur, une petite application serveur sur la machine à contrôler. Vous installez le client sur votre smartphone ou n'importe quelle autre machine et puis vous vous connectez à distance et vous avez accès à votre PC ou à n'importe quoi. C'est effectivement, comme le dit le chat, comme TeamViewer, mais en installation... parce que TeamViewer, tu peux passer directement par Chrome ou par n'importe quel navigateur. Là, c'est une installation locale. Dans la bécane. Merci Chrono pour le dernier. Ce point. Et le dernier, C'est vraiment ces cadeaux. On se quitte quand même avec une petite baston. Un peu drôle. Ouais. Allons-y. C'est juste Samsung qui tire à balles réelles sur Huawei en France. Ça date en fait, en réalité, mais bon, c'est hier soir. Une petite rivalité, un petit versus Ken, ça va te faire plaisir. Un petit versus. C'était hier soir en fait. En gros, il y a eu un bomboclat. Moi, je déteste ce genre de choses parce que bomboclat, ça veut dire règle féminine un peu raciste en vrai. Créole, les gens emploient ça tout le temps. En vrai, créole, je pense à la scopa tout mana. C'est une insulte. C'est une véritable insulte. Quand tu dis que le bomboclat, c'est une vraie insulte. Mais bon, c'est pas grave. Eh bien, simplement, il y a eu un bomboclat de Huawei dans lequel on voit que la régie s'est déchirée. C'est énorme. C'était énorme. La batterie de nos concurrents, ils ont mis ça et la réponse de Samsung. La réponse de Samsung, on va peut-être la voir. Voilà. Vous n'avez pas répondu ici, vous n'avez plus de batterie. Et remontez un coup, parce qu'il y a un gars qui hésitait entre un smartphone Samsung et un smartphone Huawei. Huawei a dit pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Et ils ont demandé à Huawei qu'est-ce que c'est que ça. C'était en octobre 2019. Ça, c'est vraiment j'ai trouvé un move de chacal. Absolument génial. De chacal. C'est fabuleux. Ça, c'était sans respect. J'ai adoré. J'étais obligé de vous en parler. C'était quoi la phrase? C'est la lutte, ce truc. Est-ce qu'on peut revoir le tweet juste, c'est quoi ça, Huawei? C'est règlement de compte en France. Fallait rajouter les autres, dites rien, tu vois, pour vraiment respecter le format. Ouais, non, mais j'ai trouvé ça tellement génial que j'étais obligé de vous en parler. Ils étaient en forme cette semaine. Ça veut dire que Samsung dit ça à Huawei l'année dernière. Ouais, 2019. Huawei a ghosté Samsung, ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu. Mais Samsung, ils ont gardé le truc. Et ouais, le vrai sortir. Et là, Huawei a flambé sur la batterie et du coup, bim. Alors que franchement, s'il y a bien des gens qui devraient se planquer sur l'histoire de batterie. Pas, parce qu'on ne sait jamais, tout le monde ne suit pas toujours le JDH. Très rapidement, c'est juste qu'aujourd'hui, et depuis le mois de juin 2019, Huawei n'a plus le droit d'utiliser les services américains, notamment les services Google, à cause de sanctions données par Trump. Voilà. Et c'est pour ça qu'il taquine là-dessus de manière assez violente. C'est un peu la... Et comme on dit dans le récap, ça régale. Franchement, ça régale. Donc moi, si jamais il y a des gens de Huawei qui nous regardent et qui sont en panne d'inspiration, vous pouvez rappeler à Samsung qu'à un moment donné, leur batterie servait aussi d'explosif. Je dis ça, je dis rien. Allez-y, c'est gratuit. Faites-vous plaisir. Et nous, on passe tout de suite au talk. Alors, le talk de cette semaine, mais de quoi est-ce qu'on va parler ? Oui, on voulait faire un petit topo, et pas un petit Oppo, la marque de téléphone. Topo. L'école du rire. J'anime les mariages, les barbecues, les baptêmes, je fais tout. Je voulais qu'on fasse un petit topo sur le marché du smartphone pliant à écran pliable. Je l'ai bon ou pas ? T'es pas mal. On dit une chaise pliante. Bah moi je peux dire une chaise pliable. Ouais, mais je suis content. Normalement pliable, c'est ce qui est fait pour Non, alors pliant, c'est le truc, c'est pensé dès le départ pour être plié, alors que pliable, c'est ça accepte d'être plié. Ça accepte d'être plié. Ok. Mais je pense que les deux peuvent se dire. Mais on dit ce qu'on veut. En fait, c'est 01 qui a lancé un truc. Je crois que c'est. Non, mais tout le monde dit ça. Tout le monde, mais on a 01 mis un truc en exergue là-dessus. En fait, c'est un débat qu'on a journaliste technique depuis quelques temps sur le. Est-ce qu'on dit pliant pliable?
globalement, les gens s'en foutent. C'est comme le Game Boy, le Game Boy. Les gens s'en foutent complètement. C'est nous, entre nous, on est là en train de s'amuser. Non, c'est pour être... Ouais, c'est clair. C'est un peu pour ça. Oui, mais ça, c'est la richesse de la langue française. Nous, on a 83 mots pour dire la même chose. Mais parce qu'en fait, c'est for the goal en anglais. Donc eux, ils se posent pas la question. Alors moi, je les appelle pliants. Voilà, à partir de maintenant, alors que dans le contenu, j'ai mis pliable partout. Tu appelles ça comme tu veux. Et tout le monde comprend, de toute façon. Et on comprendra. Est-ce que l'on peut, donc, pour ce point de situation du marché du téléphone. Est-ce qu'on peut contextualiser déjà pourquoi est-ce qu'on en parle ? Because, l'année dernière aurait dû être la grande année du smartphone pliable, pliant, ce que vous voulez, parce que tous les grands du marché avaient annoncé, enfin les grands, Samsung et Huawei surtout, voilà, avaient annoncé qu'ils allaient lâcher Royole. On oublie Royole qui fut officiellement le premier à sortir un écran qui se plie. Ils ont ce mérite. Voilà. Qui était un téléphone, on va pas se mentir, qui n'avait aucune utilité si ce n'est la prouesse technologique. Ah, comment il était plastique, il était un truc épais, monstrueux. Pour pouvoir t'en servir, Royole, pour taper sur des gens. Royole à tous les salons. S'amusent à faire tout ce qu'ils peuvent avec du flexible, chapeau, parce qu'ils savent faire le LED flexible. Voilà. Donc, le premier officiellement présenté qui aurait dû être le premier sorti, il est là. C'est le Fold. Voilà. On le connaît bien. On l'a déjà vu plusieurs fois. On l'a tous utilisé ici. Voilà. Il m'a été piqué 257 fois approximativement dans cette émission. Oui, c'est vrai. Il est toujours là. Voilà. Ça, présenté il y a un an par Samsung, en fanfare, à San Francisco déjà, pour dire, voilà, l'avenir du smartphone, c'est il est ça. Là. C'est une brique. C'est une brique, voilà. On ne va pas se mentir, c'est vrai que ça faisait longtemps à ce moment-là que nous n'avions pas eu de véritable innovation de forme sur le smartphone. Un smartphone qui se plie. On en parlait depuis 10 ans quasiment chez Samsung, c'était complètement l'arlésienne. Il était arrivé, ça allait être génial. Derrière, pour rappel, Huawei annonce son Mate X à Barcelone, du temps où il y avait un salon, en disant, regardez, on a la concurrence qui arrive, tout va bien. Barcelone, on en voit de tous les formats. D'ailleurs, à ce moment-là, juste pour la petite parenthèse intéressante, mais c'est qu'à ce moment précis, quand ils l'ont montré, dans l'esprit du public, c'était absolument génial. Celui-là, précisément, les gens ont adoré, je me rappelle, tous les votes qu'il y avait. Le Mate ? Ouais, le Mate, alors, visuellement. Le Mate, visuellement, il était beau. Voilà. Mais côté logiciel, côté architecture, à l'extérieur. Extérieur, voilà. Alors justement, en fait, j'avais quand même... Alors, organiser tous les portables. J'arrivais pour t'expliquer toutes les différences. Par type de. On vient de te cramer ton truc. Nous avions celui qui se replie. Alors, on a les téléphones qui se replient comme des livres. Comme des livres, c'est celui-là. Il y a donc le Fold. Celui qui se déplie. Alors, d'ailleurs, celui qui, comme des livres, pour moi, c'est même pas. Moi, je dis une tablette qui c'est se une replie. C'est une tablette qui se replie en smartphone. C'est une tablette qui se replie en smartphone. Mais c'est pas le seul. De ce format-là, si. Eh non, la régie, envoyez les assets. Oui. Ah ah. Alors, mais ça, c'est du concept de chez TCL, regardez. C'est le concept TCL, voilà, exactement. Ah, mais il se plie dans l'autre sens. Mais non. Il se plie. Il se plie pareil. Il se plie comme ça, mais il est plus sur la longueur. Il était un peu entre les deux. Mais c'est une tablette aussi, tu as raison, plus qu'un téléphone. On se comprend. D'accord. Voilà. Ensuite, on a. Derrière, nous avons donc le Mate X qui se. Alors, les smartphones qui se plient comme pareil, mais avec l'écran sur la face extérieure. Voilà, donc nous avions aussi. Voilà, ça, c'est le Mate X de Huawei. Pas mal, quand même, hein. Qui était très joli, mais il n'y a rien de l'autre côté. En fait, les deux écrans, en fait, c'est un seul écran de ce côté-là. De l'autre côté, c'est le dos. Il n'y a pas d'écran de contrôle. Là, il y a deux écrans. C'est l'idée, mais t'as pas besoin d'un écran de contrôle, puisque t'as l'écran à l'extérieur. C'est important, l'écran. Mais là, t'as l'écran. Alors, pragmatiquement, je suis d'accord avec Daz. Bah oui. Vu qu'il est plié comme ça et que l'écran extérieur, il est à l'extérieur, ça devient de fait un écran de contrôle. Mais t'as quand même un truc derrière qui a un dos qui sert à rien. Bah oui, mais comme le dos d'une tablette. Enfin, quand t'as ta tablette dans les mains, tu regardes pas derrière. Là, t'as des appareils photo de tous les côtés. Voilà. Excuse-moi, les possibilités sur celui-là étaient un peu plus énormes que les autres. Ouais, ok. Et puis au-delà de ça, le design du Huawei était plus fin. C'est ça. Plus élégant. Et puis au-delà de ça, les gens qui avaient essayé les deux disaient que d'un point de vue logiciel, le Huawei, c'était quand même une catastrophe. Ah non, bah, par exemple, là-dessus, quand vous l'ouvrez, vous pouvez mettre 3 applis. On pouvait en mettre que 2 sur un format identique sur le Huawei. C'est un peu de la perte de place. Ouais. Là, il y a l'écran extérieur. Moi, je trouve, quand il est replié, je n'ai pas envie de me balader avec un téléphone tout le temps comme ça, par exemple. Tu vois, c'est le... L'autre, il s'ouvre comme ça. Donc voilà, donc c'était l'autre format. C'était les deux formats magiques. Il y avait le fameux Energizer. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils ne font pas que des parpaings,
qui t'avait tellement plu. Oui, il y avait la brique. Ils avaient deux ou trois modèles de pliables différents, dont un modèle comme ça et un modèle inspiré Pourquoi Energizer, je veux dire, c'est... Parce qu'Energizer, leur but dans la vie, à mon avis, c'est de sortir 150 formats différents de smartphones. Ok. Ne cherche pas. J'ai resté sur les piles, c'est pour ça que je... Bon. Voilà, donc okay. ils étaient... Ah oui, non, Energizer, maintenant, ils font des smartphones à gogo. Donc, ils avaient sorti ça. Après, donc... Tout ce monde-là annonce à grand renfort de communication sur le Mobile World Congress, donc TCL, Huawei, tout le monde, qui vont tous balancer leurs produits. Sauf qu'arrive le mois d'avril, fin avril, début mai, enfin plutôt mi-avril, on reçoit, nous, les premiers Fold en test. Patatras. Et là, patatras. Catastrophe. Les Américains, rappelons-le quand même, les 5 journalistes américains connaissent toutes les catastrophes possibles. En France, personne. En Espagne, personne. En Asie, personne n'a de problème. Oui, je sais. À un moment donné... Mais il faut avouer sur le web test. Bruissait de petits bruits. C'est quand même bizarre. Il n'y a que des Américains qui ont essayé d'arracher le fil de protection. Est-ce que tu ne verrais pas un petit complot? Alors, moi, je vois un complot. Moi, on ne sait pas, mais bon. Nous, on nous explique tous, lorsqu'on nous remet les unités de prêt, que le film est déjà posé sur l'écran, que ça ne sert à rien. On a un film qui est autour, qui se déplie. Enfin bon, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. On teste tous nos appareils. Et là, on voit fleurir dans la presse. Ouh là là, j'ai voulu retirer le film, ça m'a niqué l'écran. Il est tombé, la charnière s'est cassée. On apprendra que le mec l'a quand même fait tomber de quasiment deux étages. Il y a de l'eau qui est rentrée dedans aussi. On sait pourtant qu'il n'est pas étanche. Il n'est pas étanche. Mais ça, c'est tout étanche. Le mieux restera une journaliste d'un très grand média américain qui explique que, encore mieux là, que le film s'est décollé tout seul et qu'elle a de la poussière. Pépé, il me fait ça nickel. Mais le moindre reflet, ça fait quand même cheap. C'est comme une émission de luxe. Il m'a tout nettoyé. Je ne peux pas m'amuser à laisser les traces de toi. Il m'a tout nettoyé. J'ai tout nettoyé tous les matos de Melinda. J'essaie de rester concentré, mais ça ne marche pas. Donc voilà. Donc, hop, on nous reprend toutes nos unités. Alors, attends, excuse-moi, la journaliste d'un célèbre média américain, elle avait fait quoi, elle? Elle avait dit que la surcouche s'était décollée et que la poussière était rentrée en dessous. D'accord. À moins que ce soit décollé de nuit et qu'elle soit un petit peu somnambule et qu'elle soit avec les ongles, c'était honnêtement extrêmement difficile de... Il fallait passer les piles ou des clés, voilà. Avec les clés. Honnêtement, en France, il y a des médias qui doivent faire des tests sur les dalles et tout. Il y a un média qui avait retiré le film pour faire des tests ajustés. Ça n'a pas niqué le téléphone pour autant. Donc, il ne faut pas y aller comme un sauvageon sur un produit qui vaut quand même, je le rappelle, plus de 2000 euros. C'était à 2020 euros, mais... Voilà, tu ne fais pas n'importe quoi avec un produit. Tu ne fais pas normalement n'importe quoi avec un smartphone. Il faut quand même qu'il puisse résister. Ah tiens, il y a une clé qui s'est glissée sur Mais moi, j'en ai eu des clés qui sont sur le truc. Ça n'a pas arraché la surcouche pour autant. Oui, ok. Mais bon, donc voilà. Pris de panique, quand ce sont les très gros médias américains qui font ça... Les vachettes. Du coup, Samsung. Samsung a rappelé tous les produits par sécurité. Ils ont été obligés. Mais ils ont fait comme le Mobile World Congress, principe de précaution. Non, principe de précaution à fond, parce que nous, on avait voulu regarder nos unités et on a réussi un temps, mais bon, finalement, ils sont repartis. Donc, du coup, hop, c'est déplacé au mois de septembre le lancement après maintes et maintes reports. Derrière, Huawei se dit on va être les maîtres du monde avec notre produit. Bim, report. Enchaîne aussi. Finalement, pour quelle raison? Parce que du coup, problème logiciel, problème de charnière. Il est sorti. Il n'est sorti qu'en Chine. À l'heure actuelle, il n'est toujours pas sorti en France. Il était attendu pour l'été, puis pour le mois de septembre aussi. Il y avait une espèce de course pour savoir lequel des deux allait sortir. Au final, rien. Donc l'année se passe sans que nous voyions le moindre smartphone vraiment portable, à part celui-ci, sortir. Fiasco total. Donc on peut quand même dire que finalement, pour l'instant... Pour le moment, on repart à zéro. On repart à zéro, mais c'est quand même Samsung qui, du coup, a été le seul à dégainer un produit. Édition limitée qui n'a été en vente que de septembre à décembre, je rappelle, à quelques unités. Et pas du tout le million qu'ils nous ont annoncé, soyons clairs. Voilà, c'était une édition limitée. Est-ce qu'on sait combien ils en ont vendu maintenant? On peut le dire ou pas? Non, on ne sait pas. On ne sait pas? On ne sait toujours pas, mais. Ils ne diront pas. Ils diront pas. On a questionné. Ils ne diront pas, c'est vrai. Les Franco, il a un bain et tout, mais il n'y a rien à foutre. Les mecs. Non, mais attends, j'étais quand même au forum, là. Je leur ai posé la question hier. Ils les avaient sous cloche, ils avaient celui-ci sous cloche. Alors, vous avez vendu combien en vrai? Quelle heure est-il? Même quand il s'agit de produits qui fonctionnent bien, je parle de leurs écrans ultra incurvés, ils en font d'autres, donc ça veut dire que ça marche. Ils ne peuvent pas donner de chiffres. Ils donnent pas de chiffres. Ah ouais. Ils veulent plus. Non. Donc du coup, année zéro, le seul qui pointe le bout de son nez au mois de décembre, c'est Motorola qui nous relance le Razr. Voilà, avec une fiche de spec. Pas terrible. Le Razr, dégueulasse, hein. qui du coup inaugure un nouveau format. Enfin. Parce qu'on sait que chez Samsung, ils ont X formats différents. Enfin, voilà. le Razr est quand même sexy chocolat, excusez-moi. Mais... Le Razr, il ressemble au Razr
qui s'écrit alors en majuscule, oui. sorti il y a quoi, 15 ans, un truc comme ça, 10 ans, 15 ans, pas loin de 15 ans, 12 ans. Ah ouais, entre 12 et 15 ans, 2008, je crois. Ouais, je c'est pense. Vrai, c'est ouais. Non, avant l'iPhone. Oui. Après l'iPhone, je veux dire. Non, avant. Non, ah ben, 2007, 2007. C'est avant, je crois que c'est 2005, 2006, moi j'aurais dit. Ah oui, parce que c'était, mais c'était un téléphone à clapet. Le chat va nous le dire. C'était un téléphone à clapet. Et donc, voilà. Et donc, sorti du nouveau format, plus de livres qui se déplient, qui se replient, nous voici revenus au format. Voilà. Alors, est-ce que le chat, il peut nous dire, hein, comme ça, là, culture en général, quand est-ce que le Razer, le Motorola, ça pas le Razer, les laptops. Tartac. Je sais pas. On peut pas tout savoir. Ah, les chacals. 2005-2006, on va regarder, mais j'aurais dit entre 2005. Ok, bah, c'est pas grave, voilà, merci. Mais si, merde-toi. Non, mais vive la commune, mais toi, voilà. Vive la commune. Fleur à gauche. Voilà, nanana, on fait des émissions collaboratives, tatata. Regardez-moi ces fumiers là. Ah, voilà. On ne sait pas, ils sont honnêtes avec toi. Non, mais déjà, ils disent qu'ils ne savent pas, donc c'est déjà, ils sont avec nous. On ne sait pas non plus. Chacun sa mère, je suis d'accord, on n'arrive pas à trouver la date. Bon, donc voilà. Désolé. Le Razer est sorti, le concurrent arrive. Voici donc le Galaxy Z Flip. Qu'a présenté Samsung cette semaine. On l'a vu fuiter quand même depuis quelques mois. Je valide pas la couleur. Hein, mais alors, il existe deux couleurs. Ah oui. Voici bah là, ça, 18, c'est un mirror, quoi. Un mirror purple. Ah, mirror purple. Voilà, ouais. Donc violet. Et ouais. Il existe un noir qui ressemble à ce noir, au fameux noir là, un peu noir. Piano, comme ça. Le piano. Voilà. Piano. Alors, oui, mais je vous ai amené celui-là parce que quand même, on le voit mieux. Oui. Mais en effet, on va encore me dire que c'est un poudrier ou quoi que ça, qu'il y a des traces de doigts à gogo. Ah, là, c'est fou. Voilà. Ah, donc, le voici replié. Vous voyez, il tient vraiment dans la main, pour le coup. Il est méga grand, en fait. Parce que, alors, en fait, tu as un écran alors, de 6,7 pouces. Pardonnez-moi juste, mais c'est toi, nous, 31, merci à toi. C'est bien en 2005, donc c'est bien. Ah, vous avez raison, 2005. Ouais, l'iPhone, c'est 2007. Hein. L'iPhone a quand même changé, c'est sorti après. Mais c'était un clapet, c'était un téléphone à clapet. Écran 6,7 pouces. Ah oui. Il y a la prouesse, il y a deux trucs. Ils ont revu la charnière, évidemment. Ouais. Forcément. Parce que, vu les déboires du Fold, il fallait. Elle est beaucoup mieux finie. Elle a un système pour... Et éviter que la poussière passe sous l'écran. Ah ouais. Ça, ils ont réfléchi. Ce reprochait. Et l'écran est en verre. L'écran est vraiment en verre. C'est un verre pas fait gaffe. Souple. Ouais. C'est... Ah oui. Comment c'est possible? Mais d'ailleurs, oui, effectivement, on en parlait. Ils ont réussi à faire un truc. Et quand tu prends le Fold à côté, tu vois la différence. Mais c'est marrant. Il est toujours pas IP, on est d'accord. Il est toujours pas certifié. Ou il l'est, celui-là. Non, mais non. Parce que Ken, je tiens à t'interloquer, cher Ken. Il n'y a pas de couverture. Moi, il me semble qu'il l'est pas. Il l'est pas. Il n'y a pas de couverture ici. Non, mais il n'y a pas de raison. Franchement, quand il y a une charnière, je n'essayais même pas. Non. Honnêtement, n'essayez même pas. Ce n'est pas possible. Mais alors, attends, juste, parce que. Moi, je m'étais résolu. On m'avait dit, mais écoute, mon petit Daz, si tu veux un smartphone pliable, pliant, t'as pas 36 solutions. Les écrans, ça sera toujours full plastique. C'est comme et ça, c'est la vie. Eh bien non. Et en fait, non. Ça existe non, dans l'industrie. Ils ont réussi. En 6 mois, les mecs, ils... Mais ils l'avaient sous le coude, à mon avis. Et les prochains sont comme ça. Et ça se voit. Tu vois un peu moins la pliure aussi. Tu sens qu'il est plus rigide. Et tu sens qu'il ressemble plus à un smartphone normal. Mais ça, oui. Je veux dire, regarde comment il est. Quand tu l'as ouvert, t'as l'impression que c'est un Galaxy S. Pour te donner une idée, il a la même taille que l'écran. Il a la même taille que l'écran du S20 Plus. C'est ça. S20 Plus. C'est du 6,7 pouces. C'est du Dynamic AMOLED Full HD Plus. Il ne sera pas Quad HD Plus. On ne va pas se mentir comme les autres. Normalement, il me semble, si je ne me trompe pas, je ne dis pas de bêtises. Ça s'appelle Ultra Thin Glass. C'est une nouvelle technologie. Donc en verre qu'ils ont mis dessus, alors que l'autre c'était du P-OLED, enfin du P-AMOLED, plastique AMOLED. Classique même qui était utilisé sur Royole. Voilà. Il y a un petit écran externe. Alors vous allez me dire, ça ne sert à rien. Ah ouais, mais là, en fait, il est vraiment très petit, drôle. Hein. Qui fait 1,06 pouces. C'est ça pour vous sert pour les notifs. Tu vas avoir les icônes des notifs qui vont apparaître dessus. Si tu veux prendre quelqu'un en photo, tu peux lui montrer. Ou si tu veux prendre comme ça en selfie, ce n'est pas forcément utile. Mais tu vas voir la personne. Il faut que tu ouvres par l'appareil photo. Alors, si tu veux le prendre en photo, regarde. Si tu veux prendre chrono en photo, par exemple, il va normalement en haut, c'est tourne. Lui, il doit se voir. Est-ce que tu te vois dans le petit écran ou pas? T'es un peu loin là. Tu te vois? Pourtant, j'ai une vue personnelle. Non, alors, est-ce que c'est activé? Fais voir si c'est activé. Activé. T'as un petit truc à activer. Mais il est passé en selfie. Donc, ok, voilà. Bref. Okay. Bon, bref, tu peux faire du multitâche, afficher deux applis. Honnêtement, ça ne présente pas un très grand intérêt. Ouais. Moi, j'ai jamais été grande fan du multitâche. Surtout que la multitâche en double appli, enfin, en tout cas, sur Android, moi, je m'en sers tout le temps, mais je m'en sers sur n'importe quel smartphone. Voilà, alors, le format est parfait pour moi. Alors, le format, tu veux que je te dise, c'est 16,7 cm déplié et 8,7 quand tu le replies comme ça. Ça tient dans n'importe quelle poche, même dans la mienne.
Ah non, non, c'est... Franchement, c'est encore un poil épais parce que ça reste une gaufrette, un choco BN. J'ai regardé, on dirait un BN de smartphone. Un petit peu plus épais que le Fold. Ouais. Alors que quand tu le replies, regarde, il n'y a plus l'espace qu'il y avait là. Ah oui, et il est vrai, plus épais que le Fold. Il est un petit peu plus, beaucoup, hein, pas beaucoup. C'est mais il est un petit peu plus. Ouais. Attends, Pépé nettoie et tout passe. Vous m'achetez quelque chose là. Tiens, regarde, si on met les deux à côté. Je pense qu'on verra rien, on est beaucoup trop loin. Il est une chouille plus épais, regarde. Une chouille, quelques millimètres. Non, c'est rien, mais c'était juste pour vous dire qu'il est un petit peu plus épais au maximum du truc. C'est la plus belle image de cette Saint-Valentin. C'est deux matériels qui s'unissent comme ça pour montrer qu'il y en a un qui est plus gros que l'autre. De cette Saint-Valentin. Hein, Saint-Valentin. J'insiste. Donc voilà. Mais j'aime, à la différence du Fold, là, c'est la forme qui va prévaloir, que le Fold, son intérêt, c'est les usages. Et puis quand même... Ah, merci Mélinda. Ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et puis... C'est quand même classe. Et alors, ce que j'adore dessus. Alors, on n'a pas parlé des specs, je vous respecte. Tu peux, donc il s'ouvre, mais tu peux choisir l'inclinaison. Ah. Tu n'es pas obligé de l'ouvrir. Il peut être. Ah oui, le délire poudrier. Oui, mais alors. Ou Game Boy Advance. C'est intéressant quand tu dois faire des appels. SP. Alors, c'est très bête, mais quand tu dois faire des appels vidéo, tu peux le poser et causer avec la personne sans le tenir, puisqu'il est, il va être. Super pratique. Et ça, c'est pratique. C'est Star Trek. Alors, pour la petite info, ils ont mis en appel, ils ont un partenariat avec, Google Duo, qui est intégré maintenant nativement, les appels. Dans les Android d'ailleurs, hein, dans quelques temps, dans tous les Android, ils l'intègrent. Du coup, dedans, c'est Google Duo. C'est vrai que, du coup, la charnière. Elle est résistante, elle tient bien. On pourrait croire que, ou craindre que, mais en fait. Mais pas du tout, elle est super bien travaillée. À voir au bout de X mois. Parce que moi, ça, je vais Là, moi, j'ai une question, mais oui, parce que là, je suis en train de voir le produit. Je le vois pour la première fois, moi. Est-ce que c'est pas directement le killer d'un coup d'un seul? Non, mais je suis méchant. Du Fold ou du... Alors, du Razer. Du Razer. C'est-à-dire que Razer a fait un super buzz. Et là, maintenant, on lance sa bière. Tu as tout à fait raison. Mais je suis désolé parce que j'ai vu ça. Mais oui. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Processeur, c'est du Snapdragon 855 Plus. Ouais. Si je me souviens bien, sur le Razer, on est sur un 700. C'est un 700. Ça, c'est 730. T'as raison. 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, mais alors pas extensible. Il n'y a pas de port SD. Il y a double capteur. Remboursez nos invitations. Double capteur photo. C'est un double capteur photo avec un ultra grand angle. Ouais. Un capteur à l'avant. Il n'y en a qu'un seul. Mais de quoi biométrique ou... Non, pour la caméra selfie. Selfie cam. Voilà, c'est 10 mégapixels. Tu peux contrôler par la voix et le mouvement pour prendre tes photos. Ça, c'est pour le fun. Ouais, ok. Ça enregistre jusqu'en 4K, 60 images par seconde. Mm-hmm. Oui, c'est quand même pas dégueu. C'est pas dégueu. Il a ce système qui est génial, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera des S20, du single take, qui te permet de déclencher tous les capteurs en même temps de l'appareil. Bon, alors il n'y en a que deux là-dessus, c'est un peu plus intéressant quand il y en a quatre, comme sur le S20 Ultra. Pour, qui fait que. Le truc qu'on avait vu avec l'iPhone 11, On va balayer la scène. Alors non, là c'est encore mieux parce que tu vas balayer la scène et il va prendre, shooter en photo et vidéo absolument tout en même temps. Donc tu vas avoir à la fin une galerie de tout ce qui est possible sur la séquence que tu as filmée entre guillemets. C'est-à-dire que par exemple, si je m'arrête comme ça, il va détecter le visage de Chrono, il va me prendre une photo en portrait. Il va me prendre une vidéo, il va me prendre un boomerang, il va prendre... L'intelligence artificielle qui est embarquée, parce que dedans, elle va prendre elle-même ce qui l'intéresse. L'intelligence artificielle, alors, on ne parle bien évidemment pas de Bixby. Non. Laisse Bixby en dehors de ça. Le processeur neural ou neuronal. L'assistant sec pas, les intelligences artificielles. Ce qui me fait me poser la question, sur ce que tu dis, c'est ultra intéressant, mais il y a une vraie question qu'on peut se poser, c'est que déjà, quand tu spams des photos avec un smartphone puissant qui ne fait pas ça, il a tendance à devoir faire du traitement au bout d'un moment. Et donc là, du coup, avec un 855 Plus, il va apparaître. On se demande, voilà, j'ai un truc qui m'intéresse quand même beaucoup dessus, et une interrogation, c'est la batterie. La batterie, pour le moment, est annoncée à 3300 mAh. Bah, ça va. Si c'est FHD+, ça peut passer. Alors voilà, je me dis, la résolution de l'écran est un peu moins. Faudra voir. C'est pas énorme. Non, mais attendez, les gars, les trois quarts du temps, votre truc, vous le sortez de votre poche, il s'allumera que sur ce petit écran de merde. Voilà, il faut voir. Il y a ça, ça aussi. Il y a des économies. Ça. Voilà, il y a des économies. Donc j'attends de voir, parce que sur le papier, c'est pas énorme. Par parce que là, je veux regarder l'heure. J'allume tout l'écran pour avoir l'heure. Il n'y a pas du Always On dessus, on est d'accord. Voilà, là, hop. Tu sais, sur Android, depuis des années, on a un truc qui s'appelle Always On avec l'écran qui ne s'allume pas en entier. Voilà, mais là, c'est là-dessus. C'est vrai ou pas, Pépé? C'est vrai. Mais tu as toujours raison. C'est pour ça que je fais cette émission. C'est pas à cause de Daz, c'est parce que tu as toujours raison. C'est fait, c'est dit, quoi. Mais par contre, ça, c'est vrai. Il est charge, vous savez, le partage de charge au dos. Ça, moi, ça m'amuse. La charge rapide, la charge par induction. Mais voilà, sur la batterie. Le chiffre n'est pas impressionnant par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, mais en effet, il y a plein de fonctions qui nous sont utiles. Par contre, moi, sur les usages dont tu parles, Daz, c'est vrai que pour regarder l'heure, comme je te dis, moi, j'ai le Always On, mais en général, j'ouvre mon smartphone pour regarder Twitter ou des trucs comme ça. Non, mais je disais ça, j'ai une montre.
en fait. Ah, c'est pas faux. Ah, c'est plutôt intelligent. Donc, en fait, non, mais c'est juste que des fois, tu sais, tu sors ton smartphone, pas forcément pour t'en servir, mais juste pour regarder les notifs vite fait. Ouais. Puis tu le remets dans ta poche à chaque fois que tu fais ça. D'ailleurs, j'ai une question, peut-être que tu as pu le voir, Mélinda, mais comment les notifications se stackent, se compilent sur cet écran? Alors, t'as juste des icônes. Oh putain, mais il est tactile en plus, mais le oui. fumier. Ah, bah, il manquait plus que bah, ça. Oui, bah, attends, c'est bah, attendez, elle est tactile sur un doigt, ça va, je me dis, tu vois. Excusez-moi, je suis émerveillé comme à ma à mon premier bal de promo. Je suis très heureux que tu sois émerveillé parce que c'est bien. L'émerveillement, c'est la vie. Mais regardez, bon, il n'y a plus de prise jack, il me semble, si je me souviens bien dessus. Ils ont tout retiré, comme sur tous les galaxies. Oui, mais il est tout le temps, il faut vivre avec son temps. Mais Pépé, il n'est pas content. Arrête. Je sais. Comment t'achètes des DAC et tout ça après là? Comment tu branches un micro dessus? Parce que Pépé, son micro, il est branché. Je l'ai vu sur sa dernière vidéo, son micro, il est branché. Non, mais attends, Pépé, regarde, je suis sûr qu'au Japon, on te fait des DAC format carré. Tu les plugs en USB-C avec tout derrière, le scotch derrière. Attends, ça fait un Choco BN triple épaisseur. Je suis un mec lucide, t'inquiète pas, je suis un mec lucide. Mais bon, première impression, j'ai pas encore passé assez de temps avec. Et malheureusement, photo... t'auras pas le temps. J'adore. Bah, je pense que sinon, c'est pas possible de passer une émission sans que tu essayes. Ouais, bien sûr. Mais qualité photo. Ouais. Forcément pas mal. Bah oui, j'ai une vraie interrogation sur comment il faut le mettre pour. Tu peux téléphoner comme tu veux. Tu peux appeler comme ça, hein. Et voilà, est-ce que. Mais c'est cool. rien en termes de grip, je craignais, tu vois, que ça soit glissant. Il tient super bien en main. Vachement bien en main. Mais voilà, mais vraiment, c'est ce qu'on disait, la différence entre ça et le Fold, c'est une question d'usage. Là, c'est un téléphone tablette, un smartphone tablette. Là, c'est juste un smartphone qui prend moins de place. D'ailleurs, j'ai une question. Il n'y a pas d'autres. Il devrait le présenter comme tablette qui fait smartphone. Mais oui, ça, c'est complètement pour moi, ça. Mais là, d'ailleurs, j'ai une petite remarque qui va peut-être pas plaire à beaucoup de monde, mais je trouve que c'est l'une des rares fois ou on a un smartphone Samsung avec un dos qui est joli. Alors, ils en avaient sorti. Oh, toi, tu veux te faire allumer, mon gars. Non, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire, en général, c'est les dos des flagships Samsung, Si tu compares toujours... à ça, là... Enfin, non, mais même les... Mais là, c'est la plaque de cuisson. C'est là, on est d'accord. Attends, tu peux me montrer celui, le nacré, là, il me... Celui-là ? C'est du S20+. Il me titille. Galaxy S20+. Non, c'est là que si on compare, par exemple, avec... Oui, il sort à ça. Voilà, on est passé de ça à ça, maintenant. Donc là, c'est... Regardez, hop. Bah, le dos... C'est noir sur noir, je ne suis pas sûre qu'on voit grand-chose. Mais le voilà. Dos de celui-là, moi, je préfère à tous les S20-10 qu'on voit là. Bah, là, surtout la caméra du S20 Ultra, elle est ultra. Non, mais je veux dire, en termes de... Alors, traces de doigts partie, excusez-moi. Oui, alors ça, c'est... Ça, c'est pauvre pépé, quoi. Ouais, mais ça, c'est les smartphones modernes, mais ils font un pépé pour de... ça. Voilà, attention, j'ai bien dit, à part le Note 10 avec son Rainbow, là. Lui, oui, le Note 10, le Note 10, c'est magnifique. Mais sinon, les goûts des séries... Mais tu vois, regarde cela. On va parler après, plus tard, des S20. Ils sont super bien finis. Honnêtement, voilà. Pour moi, c'est un très bon format. C'est différent. Complètement de ça ou du Mate, mais je pense qu'il y aura plus de personnes qui vont être tentées par un format comme ça qu'autre chose. Par contre, il enterre clairement le Motorola qui est au même prix. C'est ça le problème. Ah ouais. Alors, c'est ça le problème. Alors le prix, attention, roulement de tambour, que... 1 509 €. Pourquoi ce 9 là? Il pourrait parce pas que c'est classe. La Fnac te le fait à 1 500, t'as fait gagner 9 €. Voilà, ah, cool. Ok. Il est dispo dès aujourd'hui. J'ai pas dit parce que ça, c'était aussi l'information et la surprise. Ça, c'est pas on annonce un produit qui arrive 2 jours après, enfin 3 jours. Pas cher. Quel jour on est? La régie, quand même. Moins cher. Alors non, mais moins cher. Mais c'est le premier. On sait que les premiers sont toujours beaucoup plus chers. À ce prix-là, il enterre le Motorola avant. Le Motorola est au même prix et pour des specs dégueulasses, on va se le dire quoi. Oui. Et il n'est pas sorti. Suboptimal. Pardon, excusez-moi. Suboptimal. Oui, mais moi j'ai parlé des specs qui étaient nazes et ça, franchement, honnêtement, alors, c'est vrai. Moi, j'ai une question pour vous, cher chroniqueur. Si vous deviez faire un classement sur tous les smartphones qu'on peut plier, alors ceux qui sont sortis, ceux qui doivent sortir. Alors attention, je précise, je demande un classement totalement subjectif, c'est-à-dire. Lequel téléphone fait vibrer votre cœur, hein. Pas d'histoire alors, de oui, mais il a un Snapdragon, gagne, on s'en fout. Pour moi. Pépé, attends, vas-y, Pépé, on va aller comme ça. Ah, mais moi, quand je l'ai vu arriver, je vais craquer là-dessus, mais c'est, pour moi, c'est, en effet, c'est pas un smartphone, c'est une tablette qui se replie. Là, c'est pour moi, comme si j'avais un smartphone normal, entre guillemets, et je le replie, je le fous dans ma poche. Et c'est pour moi le fun factor que je trouve idéal. C'est l'idée d'un smartphone qui se plie. Pépé. Mais non, mais c'est peut-être la vie. Non, mais de... c'est mais vrai. Mais non, mais moi je partage totalement. Mais moi je suis d'accord avec lui. Pour moi, par contre, l'intérêt vraiment du système, c'est ça. C'est le Fold. Parce que c'est une tablette qui se replie et que j'ai un 2 en 1 réel. Mais parce que. Ah, c'est une petite tablette quand même. Hein.
Oui, mais tu sais, j'ai un iPad mini à côté. Donc, J'ai besoin de plier un smartphone. Voilà, moi j'ai besoin d'avoir. Mais tu veux voir le fold par rapport à l'iPad mini, Mélinda? Mais c'est la même taille d'écran. Quasiment. Regardez. On est à 7 points quelque chose, à 6 points. Regardez, c'est 7.3 et 7.2 ou un truc comme ça. Non, non. C'est vrai qu'ils sortent à mini sans les bezels. Voilà, l'un sur l'autre, vous voyez, hop. Hop, c'est le même. L'un sur l'autre, tu peux en arriver là. Ouais. C'est sur là le problème, toi, tu vois. Ah ben, moi, de toute façon, quand j'ai eu Escobar. J'ai eu le. Ouais, le Royole. Escobar. On a le Escobar là. J'ai mis les deux vidéos parce qu'il y a le Escobar 2 qui arrive rien que pour toi. Il y a le Escobar 2. J'ai balancé les vidéos à la régie. Souvenez-vous, ces vidéos magnifiques qui m'ont poursuivi pendant une semaine. Et non, je ne viendrai toujours pas dans la tenue des demoiselles qui présentaient le Fold, comme on l'a soumis. Ça c'est le Energizer. Regardez comme il était beau. Attends, il plie comment, je comprends. Eh bien là, en fait, tu le replies comme ça. C'est quoi Alors, ça, c'est un proto qui nous avait montré qu'il n'était pas terminé. Il a un écran. Non, parce qu'à l'intérieur, il y en a aussi. Et surtout, il devait avoir, je suis d'accord. Sur la rainure, il devait y avoir normalement sur le produit fini. On dirait un bus de la RATP. C'est vrai. Ils ont raison. Le chat a raison. Il faut savoir que sur la rainure, théoriquement, il devait y avoir un écran. Merde. Voilà. Mais et si vous avez les Escobar, parce que ça, c'est quand même une arnaque totale, les Escobar. Ah voilà, regardez. Voilà. C'est énorme. Mais il est petit. Ah ça c'est quoi ça? C'est la pochette du Royole Escobar Fold 1. Bah c'est bien ça. Et alors ben ça c'est tout petit mais tu sais c'est celui qui était complètement repiqué de chez Royole. C'est le format du Royole du FlexPay. Voilà FlexPay, j'ai jamais compris comment on disait. De Royole donc qui avait un écran partout et sauf qu'il est Escobar style donc doré à l'enfant. Je sais pas pourquoi ils ont mis une coque sur l'écran. L'écran est en dessous, normalement. Ah, l'écran est en dessous. Voilà, oui, regarde. Ça coûte genre 300 balles. Alors attends, je vais te dire, c'était 349 dollars pour 128 gigas, ouais. 499 dollars pour le modèle 512. Oh putain, le fond d'écran, les mecs. Ah, il me termine, c'est incroyable. Non, celui-là, il est tiré du Royal. Ça se trouve, tu peux le payer en cocaïne. Écoute, je sais. Pardon, excusez-moi. Où c'est fourni avec. Et donc, le Fold 2 qu'ils ont annoncé il y a peu, c'est en fait le Fold, celui-là, ouais, vraiment, qui est tiré. Mais vous avez mis les versions soft, c'est vrai que ça c'est le Fold 2, donc tu vas voir, il va te rappeler légèrement. Déjà le logo les gars, on dirait PP, mais... je crois qu'ils sont frileux à la régie, ils ont peur de mettre la vraie pub du Escobar. La vraie pub, regardez, ah, donc, ils vous rappellent pas un petit smartphone? Ils veulent pas la mettre. Ils veulent pas la mettre. Il y a Rémi qui a peur de faire ban la chaîne. Ok, on va arrêter. Pour tourner sur ça, c'est un fold. C'est totalement fold. Regardez l'encoche là-haut. Avec le fond d'écran. Attendez, mettez pause la régie avant qu'il y ait des meufs à poil. Mais bien sûr, c'est complètement le fold. Ils ont repris le fold. On ne sait pas comment ils financent ça. Non, mais là, c'est. C'est un fold qui est au même prix. Il a 399 dollars. C'est pur honteux. Après, c'est un téléphone Pablo Escobar. Donc tu sens que c'est pas carré. C'est pas honnête. Alors, pour vous dire, parce que je vais vous lire la fiche de spec, pour que ça vraiment que le châssis du Fold. Ouais. C'est du. Donc, qu'est-ce que nous avions donc dedans? Attendez. Donc, Android machin, Snapdragon 8 série. Ah, quand même, 855, autant pour moi. Les gars. Et... Attends, comment ils financent? Ah non, mais c'est la même. Ils volent du Samsung et ils le rebrandent et voilà. Bon, Super AMOLED, par contre, la définition, c'était Cranios. Ouais. Non, mais c'est. En gros, ils ont à peu près repris les mêmes dimensions, plus ou moins les mêmes specs, mais surtout. Il vaut 549 euros. Donc c'est enfin, alors, dollars, ça, pardon. Franchement, ça mettrait presque 512... l'achète juste pour le tester. Excusez-moi, mais ça fait quand même 4 fois moins cher que le. En 512 gigas de stockage et 12 gigas de RAM. Oui, ils peuvent. Mais c'est pas possible. Mais parce que ça doit être. Le prix de fabrication coûte plus cher que le prix de l'euro. Mon ami, ça c'est sous-estimé des usines colombiennes. Je pense qu'il ne sert pas qu'à vendre des smartphones, cet appareil, à mon avis. Ah, il sert à blanchir l'argent, c'est leur kebab à eux, clairement. Tomber du camion. Mais bon. Ce qu'on voulait dire, voilà, c'est qu'il y a quand même une gamme, ça va arriver. On sait que normalement, mais donc toi, Xiaomi. Toi, Mélinda, toi. Pour moi, l'intérêt, c'est le Fold. Le Xiaomi sera intéressant. Alors, je crois qu'on n'a pas la vidéo, malheureusement. Ben. Souvenez-vous, on avait vu le Xiaomi qui se dépliait en trois. Oui, c'est-à-dire, tu avais un écran et deux en dessous qui te permettaient de se déplier et d'avoir un format plus grand. C'est pareil, il faut voir si ça permet d'afficher plusieurs applis. De, mais toi, tu es plutôt team. Moi, une je suis team tablette qui se replie. Ah ouais, d'accord. Pour moi, c'est le. Toi, c'est plus intérêt. Alors, moi, je suis. Absolument, 100% avec Mélinda là-dessus. Pour une raison qui est très simple, c'est que moi, en fait, mon smartphone avec ce format-là, je n'ai pas besoin de le plier personnellement parce qu'il rentre dans ma poche. Si tu veux, je n'en ai pas. Je parle de moi,
très personnellement. Bien sûr, là, c'est ton avis que je demande. Voilà, je n'en ai pas le besoin. Comme je n'ai pas besoin de le replier et que ça m'emmerde, honnêtement, de devoir l'ouvrir pour utiliser Twitter que j'utilise absolument tout le temps, eh bien, je préfère quelque chose que je peux utiliser en natif comme ça, un peu comme le Fold. Que avec tu son peux, écran externe. Même s'il est un peu plus petit. Idéalement, s'il était plus grand, ce serait parfait. Mais bon, au moins, je peux me balader sur Twitter dessus. Par contre, quand je vais regarder du contenu, paf, là, je l'ouvre pour regarder un truc sur Netflix ou pour jouer avec du jeu vidéo. Le format plus grand qui sera intéressant aussi, et ça, faut la fin de l'année, c'est ce qu'a prévu Microsoft avec le Surface Duo. Alors, c'était l'autre type de Mais là, c'est un dual screen. Moi aussi, j'aime beaucoup celui-là, mais c'est l'intermédiaire. Un écran pliable. Oui, bien sûr. Là, c'est un appareil qui se replie, mais c'est un double écran vraiment pur et dur. Après, vous pourrez passer de l'un à l'autre. Je trouve que le concept est intéressant parce que, pour le coup, il se plie vraiment la charnière à 180. Et là, je me dis, il y a un usage qui va être intéressant. Mais pareil, dans le format après, visuellement, effectivement, celui-là, tu le vois, t'as envie de le déplier tout le temps. C'est ce que je regrette. C'est les vieux réflexes du clapet de la prime. Ils auraient dû mettre un écran sur la tranche, sur la charnière. Non, non, pas trop à la charnière. Pour que quand tu le sortes, tu le regardes comme les beepers à l'ancienne. Oui. Là, tu sors ta poche, tu regardes si t'as pas. Ok, d'accord. Écoute, ils ont 6 modèles ou 6 formats différents en stock chez Samsung. Enfin, maintenant plus que 4. Peut-être que c'est dans un des prochains formats. Franchement, moi, c'est naturel de le sortir et de regarder la tranche, en fait. Eh bien, peut-être. Eh bien, souffle-leur l'idée. Le Fold. Wiko. Ça n'a pas encore été pris, ça. Le Fold 2 doit arriver aussi, normalement, dans l'année. Daz. Oui. Alors, bon, excuse-moi, mais ta remarque du hyper, c'est un peu une remarque de vieux, hein. Oui, tu m'excuseras. Oui. Mais si je dois donner mon avis sur tous ces téléphones, je trouve, déjà, j'ai du mal à voir l'utilité. Je suis sincèrement désolé, mais je vois, ici, on le voit sur le stream. On a déjà fait attention, puisque ton téléphone est tellement miroir qu'on voit ton écran, on voit que tu es sur Pornhub. Donc, enlève-le un tout petit peu. Et ensuite, après, on voit la pliure. On la voit sur tous les téléphones. Ne dites pas qu'on la voit pas. Alors, on la voit moins. Attends, je la vois à l'écran. Tout le monde la voit ici. Dit, mais il est pillé, votre téléphone. Ken, il faut que je m'adresse aux spectateurs, là, aux viewers. Ce que je craignais est en train de se passer, c'est-à-dire que Ken essaie de nous touiller, mais à distance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'attraper physiquement ou l'étrangler pour lui dire de se taire. Si, attends, non. Donc Ken, est-ce que tu peux venir sur le plateau, s'il te plaît, au moins là, pour qu'on discute vite fait, quand même. Non mais Ken, viens sur le plateau, là t'es caché. Et puis d'ailleurs, Ken, si tu viens, tu pourras constater, comme va le dire Melinda, de face, on voit pas la pliure, Ken. Je veux bien croire qu'en pleine lumière. Mais alors viens. Il y a la moindre lumière, le moindre rayon de lumière qui passe, on voit la pliure. Écran éteint, oui, mais écran allumé, non. Tiens, regarde. Mais arrêtez tous de vous battre. Mais qu'est-ce que c'est cette émission? Je te la porte. C'est le radeau de la méduse. Constate toi-même. Non, mais la pliure, tu la verras pas. Je vois la pliure, je la vois. Arrêtez, mais vous êtes malhonnête. Mais regardez le chat, regardez. Tout le monde la voit. Affichez-moi le chat. Justement, là, tu la vois, on la voit pas tant que ça, tu vois. Non, mais après, c'est parce qu'ils ont un fond d'écran des nuits. On ne voit pas la pliure. Mais bien sûr qu'on la voit. On la voit. Mais personne n'a dit qu'on ne la voyait pas. Enfin, nous, quand même aussi. Mais honnêtement, tu l'oublies. Ça fait pas propre. C'est tu l'oublies très, très vite. J'ai l'impression que mon écran est cassé. On l'oublie. On la voit. Je te jure, tu verras. Franchement, à l'usage, je ne pense pas que ça se passe. On peut mettre son ongle là-dessous. Mais qui a cette idée? Il y a des gens qui bêta-testent vraiment ce genre de produit. Mais qui va mettre son ongle sur l'écran? Chrono, va rechercher ce téléphone. Va reprendre le téléphone. Ça veut dire que la crasse va s'infiltrer. Non, parce qu'on n'est pas sale. Mais si, parce que les gros doigts sales de Daz, quand ils vont scroller sur l'écran comme ça... Prends mon téléphone. Eh bien, ils vont infiltrer la crasse à l'intérieur du téléphone. Faux. Et votre téléphone, il va être dégueulasse. Plein de coronavirus. Eh ben, tu sais quoi, Ken, je vais utiliser ce téléphone dès tout de suite. Hein, voilà. C'est une très bonne idée. Je vais utiliser ce téléphone tout le week-end. Non. Ça n'a pas marché. Moi, je la connais. Ce téléphone-là, je le fous avec moi sous la douche. Mais, et il est propre après. Non, mais celui-là, tu ne le mets pas sous la douche, il n'est pas IP. Mais il n'est pas certifié. Par contre, à la différence du Fold... Ça n'est que gadget, vos machins, là. Alors, à la différence du Fold, premier du nom... que personne n'a vu sauf les testeurs. Personne n'a acheté aussi. L'écran là est passé vraiment sous la bordure. C'est pour ça que les bordures sont grosses aussi. C'est pour empêcher que les gens aillent chercher. Parce que là, honnêtement, faut aller le chercher. Écoutez bien ça, et c'est une inspiration du chat de Nimeco. Si jamais Nintendo sort une Switch avec un écran de qualité royale,
Ken, il va l'adorer. Il va dire, on ne voit pas la plie. Évidemment. Il verra pas évidemment. Une Switch qui se plie. C'est pour ça qu'il est remisé dans le KGB. C'est parce que la parole de Bogart n'a absolument... Alors, je l'ai déjà, si vous voulez. J'ai déjà la Switch qui se plie. Regardez bien. Elle existe. C'est formidable. Si on peut l'afficher sur l'écran. Est-ce qu'on peut remettre le plan KGB ? Regardez bien. Voilà. Il a osé. Ah, il a osé. Mais quel fumier. Mais quel chameau. Ils sont pas en sucette totale. Et on ne voit pas la pliure. Parce qu'il y a deux écrans. Donc toi, tu seras plus surface du haut. Voilà, surface ouais, du haut. Ouais, en fait, il est plus dual screen. Mais ouais. Par contre, alors, et les ordi avec des écrans pliables. Ouais, du coup, parce qu'on se posait la question de comment. Alors, cette émission est complètement partie en sucette. Mais c'est génial. Mais on se posait, oui, évidemment. Mais on se posait la question, et après, parce que l'écran pliant, l'écran qu'on plie sur un smartphone, okay, voilà, bon, voilà, ça existe. C'est acté. Mais est-ce que c'est un gimmick ou est-ce que ça a vocation à. Pénétrer l'intégralité. C'est le public qui va choisir, c'est pas nous. Si les gens. Mais est-ce que le public, il faut pas l'aider à choisir? Mais le public est capable de choisir si ça va le convient ou pas. Honnêtement, les ordinateurs, ouais, avec un écran. Moi, je suis. Alors, il y a des modèles qui sont sortis chez Lenovo, chez Dell. Je suis un petit peu plus sceptique sur. Parce que du coup, le clavier devient tactile. Et, ouais, et là, honnêtement, c'est super relou. Ouais. On avait parlé. Il y a on a fait une émission. On en avait parlé. Voilà. Ouais, ouais. Bah, oui, l'âme était censée en acheter un à. J'en avais parlé. Pour le. C'était à quoi ? Pendant le Computex, en fait. C'est ça. Et le truc, c'est que. Ok, c'est bien, mais il y a le problème du clavier, quoi. Non, alors, moi, je parle par exemple d'un écran. Imaginez. Alors, attention, projection. Imagine, en fait, t'as un laptop qui ne fait que cette taille-là. D'accord. Quand tu l'ouvres, en fait, tu as un clavier de taille normale. C'est comme si tu avais en fait que cette partie-là, avec un écran comme ça. Et quand tu le déplies, paf. Ah, mais t'es pas ingénieur. Mais les gars, moi, je. Wiko, venez me voir. Embauchez-le. Non, mais j'ai des concepts. Non, mais tu vois. Non, mais oui. Est-ce qu'on peut imaginer. Faut réfléchir à un ordinateur. Télépliable ou un ordinateur pliable. C'est-à-dire un truc où le côté pliable ne soit pas juste un gimmick. Mais les télés se plient, regarde, Pépé nous en a montré plein. Oui, alors les télés s'enroulent. Mais tout à fait, oui. Elles s'enroulent, se déroulent, elles sont formidables. C'est vrai que sur les ordinateurs, je suis un petit peu plus réservée sur l'écran. Non, mais. C'est bien, mais en fait, on en vient à une tablette. Non, remplacer le clavier par un écran, pour moi, c'est une fausse bonne idée. En revanche, faire en sorte que tu aies un écran qui soit de taille réduite quand tu n'as pas besoin d'avoir énormément d'espace simplement pour envoyer des mails, machin, etc. Et puis que tu puisses le déplier pour avoir un écran de 15 pouces quand tu es tranquille chez toi. Je me dis... Écoute, je trouve que ça fait des écrans. En fait, le truc, c'est que ça fait un écran de 7 pouces au final, quoi. Si tu te sers du clavier tactile, alors je sais pas, j'avais balancé des assets, je sais pas si on les a. Ou le Ori de Dell. Moi, j'ai l'impression d'avoir un mini écran au final parce que tu as quand même besoin de la partie pour taper. Alors c'est bien, c'est pratique, tu le plies en deux, tu as ton ordi. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Là, vraiment, je vais c'est une tablette. Loin, en fait. Pour moi, alors pour le coup, là, on est complètement dans la tablette grand format. Qui m'intéresse pas forcément. C'est Ori, c'est le Dell. Ouais, mais là ça remplace le clavier. Tu vois, c'est l'idée pour la lecture, ça va être super, mais c'est une tablette en fait qui se replie plus qu'un ordinateur. Oui, ça et c'est. Et puis surtout, ça tourne sur Windows, hein, donc. Ouais, en plus c'est pas fait pour. Ouais, bah tu vois, on en revient à ce qu'on disait des surfaces et tout. Si tu retires le clavier, c'est compliqué. Moi je suis désolé. Tu vois, regarde la taille. L'écran tactile, c'est horrible pour taper longtemps. Bah c'est horrible, hein. C'est ils ont bien choisi leur nom. Mais non, il est joli. Mais sinon, il est joli. T'as le stylet. T'as le produit est joli. Mais. Non, moi je me dis vraiment qu'un truc hybride, c'est-à-dire utiliser vraiment la notion des écrans pliants pour faire gagner de la place chez les gens. Une télé 32 pouces, tu la déplies, elle fait 64 pouces, par exemple, ou ce genre de truc, ça pourrait être utile, mais en fait. Mais ta télé, enfin, l'espace de ta télé est déjà occupé, normalement. Donc, ouais, mais des fois, t'as des petits murs, je sais pas, moi. Bah, si t'as un petit mur, tu vas pas déplier une grande télé. Bah, si, parce que. Est-ce que le chat, ça les intéresse, un ordinateur avec un écran intégral comme ça, qui se plie? Parce que moi, j'arrive pas à voir l'utilité. Ouais, est-ce qu'on peut afficher le chat, s'il vous plaît, la Reggie Miller? Aucun intérêt, mais évidemment, mais le chat, des trucs. Mais parce que c'est les acheteurs. Mais sans déconner. Non, il n'y a pas un seul. Mais oui, il n'y a pas un seul oui. Il n'y a pas c'est un horrible. Seul oui. Bon, moi, c'est clair. Mais c'est incroyable. Ah, toi, t'as gagné, quelque chose. Je pense que c'est un oui pour vous faire plaisir. Ouais. Merci à Runel, voilà. Ouais, mais c'est pas très motivé là comme oui. Non, mais je demande au chat. Je demande au chat, attention encore une fois, non pas de juger à l'aune de ce qu'ils ont sous les yeux aujourd'hui, mais d'essayer de se projeter. C'est possible que vous vous projetiez, bande de chat, c'est possible ou pas? C'est incroyable ça.
Franchement, on dirait mes grands-parents, c'est un truc de fou. Oh là là, oh, vous fumez. Je comprends pourquoi Maxime Dan, il arrête de vous lire. Ah, ouais. Tête de la mer. Bravo, Ken. Bravo. Je dis bravo. Bravo, Ken. Non, mais voilà. Bon, concrètement, le chat a l'air plutôt négatif. Non. Bon, les smartphones, oui. Les ordinateurs, voilà. Non. Moi, c'est non. Moi, je suis assez d'accord. Moi, ok. Et eh ben moi, je et vous dis. La dernière chose, c'est que j'en parlais avec Ken lors du lunch play il y a quelques temps. Mais toi, Pépé, tu as eu l'occasion d'utiliser longtemps le Fold, par exemple. Oui. Et toi aussi, Mélinda. Ouais, moi, ça fait des mois. Mais moi aussi, hein, excusez-moi, mais aussi. Je l'ai utilisé. Oui. Ah ouais, et du coup, en fait, la question que j'avais, c'est que j'avais eu cette impression que les journalistes qui l'avaient utilisé longtemps, quand ils ne l'avaient plus, ça leur manquait. Ouais. Est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce que c'est que moi, cette impression? Alors juste, attendez, t'inquiète, 24, meilleur pseudo. Après Schneck, je sais pas quoi là. Solid Schneck. Un écran de. Solid Schneck, génial, pseudo. Un écran de PC qui se déplie en télévision. T'inquiète, 24 et moi, vous allez nous retrouver chez Wiko en tant qu'équipe créative, vous allez rien comprendre, je vous le dis. Ah, je vous le dis. Excusez-moi. Mais bon, sinon, donc, le oui. Fold. Le Fold, oui. Oui. Ah ouais, clairement. Quand ah tu oui. prends voilà, l'habitude. En fait, tu vois, j'en parlais avec Ken la dernière fois au LC, et j'avais eu cette impression que tout le monde, il se disait au début, bon, pourquoi pas, on verra. Et que, en fait, quand tu l'as utilisé longtemps, et toi, Daz, j'aimerais bien avoir ton ressenti aussi là-dessus. Eh ben, moi, le Fold, je l'ai trouvé très cool. Mais en fait, à la fin, j'utilisais que l'écran externe qui était pas suffisamment, enfin qui était trop bien ouais. pour me forcer à le déplier. En fait, voilà. Alors il y a un vrai truc sur le, un concept comme le Fold, c'est que c'est pas en une heure ou en une semaine qu'on l'apprivoise. Parfaitement. Il faut vraiment, et moi je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui n'en aient pas besoin et qui préféreront avoir le Z Flip. Parce que ça reste un smartphone ouais. simple. Ouais, ouais. Si t'as pas besoin d'une tablette, ou d'un iPad mini ou quoi que ce soit, en effet, tu vas rester sur l'écran classique, comme ça. L'écran d'appoint, il était tellement bien. Il est bien, hein, il est super. Il est plus petit, mais il est tellement complet. T'as l'essentiel qui vient. Au final, moi, je l'utilisais principalement parce que ça me faisait chier justement de prendre deux mains pour, tu vois. Alors que le Flip, là, quand ils auront l'écran sur la tranche comme un beeper et un système automatique avec un ressort que tu fais tac et tu sais, le truc s'ouvre avec un cran d'arrêt derrière. Bah, bref. Tu sais que c'est un truc par contre sur le Z Flip que j'aime bien, c'est le côté où tu vas pas faire ça pour l'ouvrir. C'est une vraie charnière qui s'utilise. Moi j'aime bien faire un petit. Ouais, mais ça c'est parce que t'es comme moi, on a eu des clapets, on se la pétait, mais ça, on fait plus ça aujourd'hui. On les pétait aussi, des clapets d'ailleurs. On les pétait aussi d'ailleurs. Mais bon, voilà. C'est mon avis sur le. Ok, fait. Donc en fait, voilà, vous avez sur ce plateau une représentation complète de la population française, c'est-à-dire des gens qui n'y croient pas. Et des gens qui veulent se projeter. Mais tu m'as même pas demandé mon avenir à moi, qu'est-ce que tu racontes? Ah, alors tiens, ton avenir mais à moi, toi. Moi, j'y oui. crois à fond au smartphone bien. C'est vrai, je t'ai pas demandé à toi. Bah ouais, espèce d'enfoiré. Mais si, t'as dit que le Fold, il était bien. T'étais une tablette. Tu m'as demandé le présent, mais pas l'avenir. Alors l'avenir, qu'est-ce que tu vois, creux? Ah bah moi, mec, ce que j'aimerais bien à l'avenir, pourquoi pas, bah, des écrans pliables partout, comme on a vu dans les vidéos de Pépé Garcia, c'est-à-dire des écrans qui permettent de dissimuler l'écran. En réalité, oui. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc, de l'enroulable, n'est-ce pas? Et puis, pourquoi pas, dans un futur relativement proche, je ne sais pas moi. Alors, on avait vu un concept il y a très longtemps de bracelet avec écran dessus. Un big fake. Hein. Ah, ok. Attends, mais c'était démenti de partout. Dans la baignoire, le mec avait le truc, il regardait son truc et tout. C'était démenti. Le mec était dans la baignoire. Il tournait, ah bah je vois ma grand-mère. Et tout. Non, c'est bon. Alors, Pépé, c'est intéressant, mais ça ne change pas le fait que... Ah non. Moi, je suis d'accord sur ça. Mais arrêtons d'affabuler, jeune homme. On est là en train de se dire, imaginons. Ouais. D'accord. Non, mais alors la question à poser au petit loulou du chat, est-ce que vous voulez, dans le futur, quelle que soit la forme qu'il aura... Non, t'as pas fini ma phrase. Quelle que soit la forme qu'il a, est-ce que vous voulez, quelque part, dans votre vie, que ce soit pour un téléviseur ou un truc, un écran pliant, que ce soit un smartphone ou autre? Allez, c'est ça chat. La vraie question. Là, si est-ce que vous voulez, quelque part... Et pourquoi, dans votre vie, et pour quoi, dans quel but? Est-ce que vous en voulez un? Allez, le chat. Pour un téléviseur, pour un bracelet... Il me casse la tête. Mais non, mais parce qu'il faut poser la question. Non, mais l'intérêt, c'est... Si aujourd'hui on doit plier un écran, voilà, on à peut quoi en plier. Ça sert? Bah voilà, téléviseur, à quoi ça va servir? C'est bien. À prendre moins de place. Est-ce que ça sert à prendre moins de place ou à gagner de la place justement? Parce que le Fold, en fait, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Ça, pour moi, ça n'a pas d'usage. L'étoile. Non, mais ça n'a pas d'usage au-delà d'un smartphone, ce que je veux dire. Elle me fume. Elle est là pour fumer. Alors t'es quoi? C'est une question de format. Le chat, emballez votre copine du chat. Je suis désolé, Daz. Tu gagnes la classe. Je suis quand même assez d'accord avec Mélinda. Vous comprenez pourquoi c'est pas eux qui m'ont offert les fleurs? Regardez comment je suis traité sur ce plateau. Mais arrête, Mélinda, je suis pas d'accord. Non, mais toi, t'es sympa. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai. Pour une fois, je suis d'accord. Non, mais là, pour moi, tu gagnes de la place. C'est une tablette qui prend moins de place. Alors que ça, c'est un smartphone. Ça, ça prend. Si ça rentre déjà dans ma poche comme ça, je vois pourquoi je le replierai en fait. Bah, ça, je peux comprendre. C'est joli, c'est stylé. Comme ça, tu peux en mettre deux. Mais si, je peux comprendre. Ça, c'est un gain de place, ça, c'est un gain de fonction.
Merci. C'est exactement ce que voilà. Je trouve. Ouais, bah, ça mais, la ça peut plaire, mais ça peut plaire à deux publics différents. Mais c'est deux publics totalement différents. Tu peux regarder la caméra et tu redis cette phrase. J'ai aucune idée, je me souviens plus. Elle est où la caméra? Ça, c'est un gain de forme. J'ai dit, ça, c'est une question de, c'est un gain de forme, de place. Ça, c'est un gain d'usage. Je sais, un truc comme ça. Et c'est là-dessus qu'on va mettre un terme à cette rubrique talk qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Oui, parce qu'on a parlé, on n'a pas parlé d'AS20. Eh ben, on va parler tout de suite dans la rubrique test de la prise en main d'AS20. Oui. Bah, il faut le faire. Oui. Téléphone. Alors, lequel c'est celui-ci. C'est celui-ci. Okay. Rends-moi mes téléphones. Alors, pour donc cette rubrique test, en fait, on va la focaliser, comme je le disais, sur la prise en main des Samsung Galaxy S20, qui a été rendue possible via l'événement Unpacked. Voilà. Et même avant, Pépé les a testés. Oui, je m'en étais à Munich. Mais en fait, nous les avions vus avant, on va pas se mentir. La vidéo est en ligne. Voilà, allez voir la vidéo de Pépé, elle est bien mieux que la mienne, parce qu'il filme mieux. Si, c'est vrai, c'est vrai. Alors, oui, nous avons pu voir les S20 avant qu'ils soient présentés. L'intérêt de la conf, c'était d'avoir un peu plus d'explications et de voir surtout le Z Flip. Donc, voici la nouvelle famille des... Tiens, tu vas m'aider. Tiens, je te file, celui-là, c'est le mieux. La nouvelle famille des Galaxy S20 qui succède au Galaxy S10. Donc, ça fait un gros changement de chiffre. Le S20, le S20 Plus et le S20 Ultra. On peut rappeler les différences rapides entre les trois là. En gros, les différences, c'est une question de taille déjà. Regarde, hop, on va essayer de mettre les écrans comme ça. Donc c'est quoi? C'est 6,5, 6,7 6,2, 6,7 et 6,9 pouces. Ouais. Après, c'est la même chose. Et au dos, 3 ou 4 capteurs photo. Alors attends, juste une question de Béotien, parce que moi Samsung... Pourquoi ils sont passés à S20? Bah, pour moi, les écrans ultra grands chez Samsung, c'était les notes. Oui. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que là, c'est le plus grand. Un Note encore plus gros que ça. Parce qu'il est plus, grand que le Note. Il est encore plus grand que le Note. Il est plus grand que le Note. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de Note cette année ou... Si, mais ce n'est pas pareil. Tu sais, le Note, il est autour de la créativité, de la productivité. Ouais, mais... Celui-là, en fait, la gamme Galaxy S20. Ah oui, il est plus grand que le Note. Voilà. Il est plus grand que le Note. Il a un pouce en plus, je crois. C'est 6,8 le Note. Ouais, je crois que tu as raison, c'est ça. Il me semble. Là, en fait, en gros, ils ont démarqué. Pourquoi on n'est pas passé à S11, qui aurait marqué une continuité? Parce qu'ils veulent vraiment une rupture. S20, c'est rupture. Et 2020. 2020. Voilà, alors non, mais ça, je pense. Oui. Non, mais je pense que ça n'aurait rien à voir. C'est une question comme a fait exactement comme a fait Huawei. Huawei, on est passé 8, P8, P9, P10, P20, P30. Parce qu'en fait, il y a des changements à chaque fois assez énormes. Et là, je crois que sur les 10 ans à venir, ils vont pas en profiter pour rester toujours collés à l'année, parce que là, tu sais, comme Apple. Non, je pense pas. Comme Apple fait des S. Qui sont des espèces de demi-étages. Là, eux, ils veulent marquer la différence. Cette année, c'est la photo. Vraiment, là, ils ont fait un focus pour se différencier du Note sur la photo. Là, on voit, oui, que... Là, tu vois sur le S20 Ultra, qui a quand même le capteur principal à 108 mégapixels. Alors, est-ce qu'on peut... parce que là, on ne s'en rend pas compte, mais en fait... La plaque de cuisson. Il y a une plaque de cuisson. Alors, si on peut voir... Le fait que Samsung l'ait proposé en noir sur noir, complètement anodin. On peut le mettre sur la caméra. On va le mettre, tiens, on va le donner là-bas. Oui, c'est énorme. Ils sont d'ailleurs un peu plus épais que les précédents. Dans les changements majeurs... Est-ce que la régie peut zoomer sur Chrono? Dans le changement majeur, donc il y a ce quadruple capteur. Souvenez-vous, les précédents, les capteurs photo étaient à l'horizontale. Et là, c'est la grande tendance qu'on a vue aussi sur l'iPhone. Sur l'iPhone 11. Attends, la régie reste là, ne bouge pas. L'iPhone 11 Pro et sur les pixels, on a une espèce de module rectangulaire tellement il y en a, et carré. Il est énervé, il est mouse. Donc, 4 capteurs. Un capteur principal à 108 mégapixels. Mais Ken, mais tais-toi où j'arrive. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit encore? Il a dit, oh là là. Mais il n'arrête pas. En façade, il n'y a plus qu'un seul capteur. Regardez, la caméra selfie, il n'y en a plus qu'un seul. Il y en avait deux l'année dernière. C'est genre 40 mégapixels, c'est ça? Oui, exactement. Bingo. 40. Mais il n'y en a plus qu'un seul. Yes. Parce que l'écran, il est encore plus grand, plus large que l'année dernière. C'est-à-dire que la moindre photo fait 1,2 giga. Alors, avec le 108 mégas, c'est un peu lourd. Il faut pas... En plus, il peut filmer en 8K. Il est 5G, déjà. Ils sont tous... Ah, il est 5G. Ils sont tous 5G. Il y a juste en France, on aura des modèles 4G. Hein? Wi-Fi 6? Oui, je confirme. Ah, ça fera plaisir à... À qui, un technophile de Drancy. Le lecteur d'empreintes est toujours sous l'écran. On ne l'a pas dit sur le flip, il est sur la touche latérale. Moi, j'ai une préférence pour ça, mais c'est un avis personnel. En configuration, par contre, c'est là où c'est drôle. Il y a 128 gigas de stockage.
Ah, c'est pas énorme. C'est pas énorme, surtout quand tu peux filmer en 8K. Ouais, si tu prends des photos. Croper de la photo dans ta 8K, ça c'est le truc qui est génial. Ça, Pépé va vous raconter beaucoup mieux que moi. Est-ce que, attends, on peut rappeler, parce qu'à un moment donné, j'ai vu passer le chiffre, il disait que du coup, si tu filmes en 8K, je crois qu'on est à 650 mégas par minute. Alors, ils arrivent à avoir un débit seconde, ils montent à 70 mégas. C'est-à-dire que c'est. Ils arrivent à faire ça en 8K, on arrive à le faire en télé. Donc, en effet, ça va vous donner quelque chose. Ça va être énorme. Et gigantesque, c'est énorme. Bah, et tu pourras pas filmer une heure en 8K. Quoi. C'est quoi, 33 mégapixels la photo, si tu vas faire du crop, tu peux faire du crop de qualité dans ta photo. C'est-à-dire, donc, oui, c'est photo, ça, 33, 33, c'est-à-dire que tu pars de 108, 33, c'est la définition de l'image 8K, c'est 33 millions de pixels. Donc si tu pars de haut, tu peux cropper, faire ce que tu veux à l'intérieur. C'est le but de la manœuvre. Il y a le zoom x100. Voilà. Et c'est optique. Alors, il est optique. Je suis en train de le tester. Là. x4. x4. Hybride x10. Ah. Enfin non, c'est pas hybride, c'est hybride. J'aime bien cette petite chorégraphie que vous êtes en train de faire. On connaît les produits c'est par cœur. Optique hybride. Voilà, hybride optique. Optique hybride. Hybride. Et donc numérique x100. D'accord. C'est un truc de fou. Il zoome. Voilà, c'est la vitesse de lumière. C'est une sorte de Superman du zoom. Il est là, il avance en avant et hop, tu te prends. Mais quand t'es au zoom max, j'imagine que l'image est bruitée comme. Alors j'ai fait une petite vidéo. J'ai fait une petite vidéo sur Twitter. Vous pourrez aller voir. Oui, elle est bien. Elle est bien. Il faut vraiment un pied. Il faut la stabiliser. Non, je l'ai fait à San Francisco, la petite photo. C'est Alamo Square. La petite vidéo du zoom. Et non, le zoom, il est dingue, mais il faut vraiment un stabilisateur. Il faut un stabilisateur. Il faut un stabilisateur. Je viens de le poser ici pour essayer de faire la photo. Honnêtement, le zoom. Donne-moi ton. Moi, j'ai trouvé jusqu'à x30. T'as chopé l'œil de Ken à l'autre bout du plateau. Le zoom x30. Sur la caméra qui zoom, tiens, montre. On va montrer juste pour rigoler. Le zoom jusqu'à x30, il est nickel. Ouais. Le rendu est nickel. x100, faut vraiment un pied. Mais x100, c'est pour le ultra, de toute façon. Oui, c'est. Regardez, ah oui, regardez ce alors, que y a que, y a là, on vous parle du Galaxy S20 Ultra. Parce ah oui, pardon. Les deux autres ont un autre capteur à 64. Pardonnez-moi, je l'ai regardé. Juste pour le contexte, là, j'étais en zoom x100, donc j'ai posé le smartphone ici pour essayer de prendre la photo. Et là, c'est la même photo en 0,5. Est-ce qu'on peut montrer où est Ken? Donc Ken, il était là. Vous voyez là? Là, Ken. Vous voyez la tête qui sort de son terrier là. Ah, mais quand même! C'est pas mal! C'est pas mal! C'est quand même Wunderbar! Là, de loin, ça passe. Alors après, très vite, mais franchement, oui, c'est une prouesse quand même. C'est honnêtement, voilà. Soyez aussi tolérants. On n'est pas sur la version définitive. Il sort que dans un mois, rappelons-le quand même. Logiciel n'est pas fini. Le logiciel n'est pas encore fini. Putain, par contre, il est plus épais. Ça protrude de la plaque de cuisson. Il est plus épais, il est plus lourd aussi. Il fait 220 grammes, vraiment, mine de rien. Ah, mais non. En fait, j'ai lu qu'il était moins lourd que le 11 Pro Max de chez Apple. Il est plus épais. Ah oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais oui, il est moins lourd. Il est moins lourd. C'est ce que j'allais dire. Celui-là passe pour très lourd. C'est-à-dire que l'épaisseur du module est lourd, hein, le iPhone 11, ouais. à 3 fois plus épais que celui que beaucoup de gens trouvaient déjà dégueulasse. Mais voilà, exactement. Ah non, non, là, il est énorme. Parce qu'en fait, il a un zoom périscopique. Ça prend un peu plus de place. Mais voilà, merci après, Melinda. Après, techniquement, il faut quand même arriver à planquer le viseur. Alors, les mecs sont là, ça sort, parce qu'il faut planquer le matos. Le design est régi par la technique. Mais complètement, on ne peut pas le faire. Comme le Face ID est une contrainte technique. Il faut expliquer aux gens qu'un vrai capteur, parce que les capteurs sont un peu plus grands aussi pour prendre plus de lumière, donc il est bien meilleur aussi en basse lumière, il était déjà bien, mais là il est franchement très très bien. Vous ne pouvez pas avoir, ça il faut que les gens se mettent en tête, un smartphone ultra fin si vous voulez de la photo de très haute qualité, ou alors elle va être méga retouchée par le logiciel, il faudra pas pleurer. Parce que ce n'est pas possible. À un moment, il faut savoir que des capteurs, ça prend de la place. T'as compris déjà, le chat non, merci. Mais arrêtez Melinda. De demander des smartphones ultra fins. Ils sont merci. Au maximum de ce qu'ils peuvent être. Merci. Sinon, vous aurez de la photo moyenne. Et on rappelle que d'ailleurs, ce capteur en parlant, de... D'ailleurs, en parlant de d'IA, juste une chose, c'est que j'ai remarqué dans les divers tests, en tout cas que j'ai déjà lus, c'est que la photo, elle reste saturée à la Samsung. C'est-à-dire que les gens qui veulent la photo naturelle... Pour le moment, oui, parce que le logiciel n'est pas... Mais j'ai fait les photos avec Omar, donc voilà. Avec Omar de Frandroid, nous avons fait... Ah bah oui, c'est on Omar. S'est baladé, c'est Omar on s'est baladé. C'est notre Omar. Et voilà, Omar, on s'est baladé donc dans San Francisco. On a les verts sont ultra verts. Alors, le logiciel, c'est là où je vous dis, attention, ce n'est pas la version définitive. Nous, on a fait des photos et en effet, on a constaté, même s'il faisait très très beau à San Francisco, que là, on avait l'impression d'être aux Caraïbes. Les bleus étaient ultra bleus. Nous, on était beaux malgré le décalage horaire. Il y a des gens qui adorent ça. Mais c'est aussi. Alors, il y a aussi une patte. Tu peux pas déconnecter. Il y a aussi une patte Samsung qui restera ça, quoi qu'il en vienne. Mais sinon, un autre truc. L'écran est 120 Hz. Ouais.
Voilà, le taux de rafraîchissement de l'écran sur les trois. Sur les trois peut monter. Il est basiquement à 60, mais vous pouvez le pousser à 120. Ce sera plus du QHD par contre. Hein. La définition max c'est Full HD+. Mais ça c'est pas que pour les S20, c'est aussi pour le Ultra. Ça descend la définition aussi pour le Ultra. Ma connaissance c'est les trois. D'accord. Pour tous en fait, ils ont tous ce problème là. Et il y a un truc qui est assez drôle, c'est ce que je veux dire c'est qu'on t'annonce 120. Ouais. Il faut savoir que ça diminue. C'est au sacrifice de la définition. Voilà. Bah, on peut pas tout savoir. Alors il y a un truc qui est drôle, c'est une espèce de retour touché. Alors je sais pas comment expliquer ça. Ah, 440. Ils ont appelé ça smart touch ou un truc comme ça. En c'est gros, le smart touch. C'est la en sensation fait, c'est que tu as ça. Quand tu vas scroller, toucher. En fait, c'est un retour, espèce comme un retour pas haptique, en fait, mais comme smart ça. Drive. C'est quelque chose qui est mis en avant, c'est mis en avant chez Apple depuis pas mal de temps. Smart drive. Je en fait, crois. Grosso modo, c'est le défilement fluide. Partir. C'est ça. Mais en fait, non, pas le défilement fluide. Déjà, on est en train de nous piquer du temps. Mais 18. Mais alors. Ah bah écoutez, la régie suit ses propres règles. Donc voilà. Non mais oui, ça, c'est comme sur iPhone en fait où tu as un taux de rafraîchissement de la réponse qui est beaucoup et plus du coup, rapide. Mais c'est vachement rapide. Alors ça surprend un peu parce que du coup tu fais des commandes et ça part à gogo. Juste il va falloir balancer les prix là, je voilà. crois. Voilà. Alors, on a parlé de la 8K, 5G. Tous les modèles sont 5G. Ouais. Il y aura des modèles 4G vendus en France pour être moins cher aussi, il faut pas se leurrer. Sur la gamme française, il y a 5 références. Voilà, 5 références. 3 Vas-y, non, alors je donne 3, juste les batteries. 3 5G de 4000, 4500, 5000 pour les 3 modèles. D'accord. On fait ça vite. Les prix, attention, c'est parti pour c'est la douloureuse. C'est parti pour les prix, attention. Le S20. Tac. Le normal. Le ouais. normal qui remplace le S10. Il n'y a plus, ne cherchez pas l'équivalent du S10e d'entrée de gamme pas chère de l'année dernière. Il a disparu. Combien ça coûte? Enfin, il reste en marché, mais pas cher. S20, 909 euros, le même prix que le S10 de l'année dernière. 909 euros, c'est cher, la suite. Le modèle 5G sera à 1009 euros. 1009 euros, c'est méga voilà. cher, la suite. Le S20 Plus, il est à 1009 euros en 4G. 1009 euros en 4G. 1109 en 5G. 1109, c'est méga et cher. Le, il est passé où? L'autre, c'est pas moi. Il est là, c'est moi qui l'ai. Ouais. 1359 euros. Uniquement donc, 5G. Donc de 909 à 1359 euros. Oui. Voilà. C'est génial, c'est moyen cher. Non, alors c'est les mêmes prix que l'année dernière. Il faut savoir que le S10 reste sur le marché. Ouais. Il va baisser. Ok, voilà. Le S10 va baisser. Le S10 est un très bon téléphone aussi. Retrouvez tous ces téléphones 30% moins chers dans 4 jours. C'est normal, c'est Samsung. Non, ils sortent le 13 mars. Et précommande avec le S20 Plus et le S20 Ultra, les Buds Plus, les écouteurs sans fil, qui sont meilleure autonomie, 11 heures tout seul, 22 heures faut en rendre, plus. Faut rendre. Et voilà. Rémi ils va venir nous casser la ils gueule. Ils sont offerts, on va se faire péter la gueule. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce point très voilà. détaillé. Vous vraiment, êtes incroyable. Allez voir la vidéo chez Pépé et allez lire chez moi. Avec la team. On vous fait de gros bisous. Bonne Saint-Valentin à tous et on se retrouve la semaine prochaine. C'est la Saint-Valentin. Saint-Valentin.